Peni wade epe lonofi ape dukua Yehuwa kadwe jijina fe docho la nyanywe kakala pol doji nmovi Pe waden chichidok ple dodo da wanade tome si aje gome Choblada wle tri sefwen keke bla fofo neji Ide kwasida si nyan keke bla fofo asyeke liaji Tanya, nyama kuo ke pomano akbe Eye made Yehuwa fe towowo afia Salomo alfadeka wienyi kuku wye Andrea Afe tola gajirado pe ya tukami cho vonde si ademe Eye wanami jidudu le nchila me ple bakbo me pe afa wawawome Mia bia epe ameta kwa de mia fe akbe ple towadu yoji Ma ufe docho la akplomi len chichidok ple Bedodora wone asiame, chok bedoda fea, le dodoa nou alea. Blada wetro, mfafia klek bedododa. Kuda ye memleda, nchishitok klek bedododa. So nzi gaseke into gawye fe, ple fie gade yide za gaseke. Kwa sida nzi ganyi yide gawo, mfafia klek bedododa. Eye wetro gaton, yide fie gade, mfafia klek bedododa le radio jivea. Nyaten akomi, le mia fe Facebook, ple YouTube, ne mianglo evangeliste Paul Doji nmovi. Novio, mi va, eye mi majo, ale si mye le va o. Nyaten ayok bedoda fea fe akbalenglo fea, ne mian hyan nume kuku ade, le nomba siya oji. Blaseke, blaseke vo aton, bla ne vo ene bla to vo ve allo bla sie ki vo andre bla andre vo deke bla vo ne bla vo deke. Une fois encore, l'Éternel met à cœur à son serviteur, évangéliste Paul Doji Numovi, d'organiser un programme de jeûne et prière du mardi 24 au dimanche 29 mai 2022. Thème, Psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Le Seigneur s'est encore apprêté pour nous délivrer de tout mal et nous accorder la victoire dans tous nos combats physiques et spirituels. Nous demanderons sa protection sur nos vies et nos activités. Le serviteur de Dieu nous dirigera dans ses séances de jeûne et prière dans le camp selon le programme suivant. Mardi soir, enseignement et prière. Du mercredi au samedi, jeûne et prière de 9h à 12h et de 18h à 21h. Dimanche matin, de 8h à 10h, enseignement et prière. Dimanche soir, de 15h à 18h, enseignement et prière sur la radio JVA. Nous serons en direct sur notre page Facebook et compte YouTube intitulé Évangéliste Paul Doji Numovi. Venez et vous ne repartirez pas le même. Pour toute information, contactez le secrétariat sur le plus 228 90 95 44 52 ou le 97 71 24 21. Où est-ce que tu là? Oh!
L'Éternel va se lever dans la colère. Un combat fort sera engagé cette nuit. Le combat que Dieu n'a jamais fait dans ce camp. Dieu le fera cette nuit. Alors, amen, gardez-la. Alors, dis amen, bien-aimé. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ndeku mawo nukande nam. Ye jijom wetro ya mbe madida se na mawo. Eva ve me bena papa jake wo kraza de dele jagble. Ye mi ken ya honlonye dele do problem na vi jiji e na mi. Ken ya ovele do gbera obe amone ho wa be vi. Ye nchan kokwa lo jibe unho via. Mva le kobe papa zonva bonye leve na via meton sova. Alleluia. Oh, mi doto bia senye. Ke leve na via meton sova. Honlo nye wan kobe leba hadie. E sole na minchan ho e sole ne. Ele sole jole na bina chona kolo wa. Bema sona honlo nye. Ke in sole ne an kobe nde trole po de via leba lo mi sole dangbe la nyigban. O sonne kaka zeve ze tongo adome va ve mbene sova mafien le ko lenea ye mkhwe ke mkhwe amfanda sila kota jile ke mva nyonfon le majiji mi anyate ve a fu va va mena Oh alleluia amen amen praise the lord alleluia Ebe ami amunyale ke ya ko ya fie. Yo chogba koko ha. Oblu. Yo gejo fojo mere. Hallelujah. Praise the Lord. Ken khwene nia mbe a. Nji via meton voye ya nyabela nya mel ma vie. Amen. Musulman we mini.
Ela be nuni ho Kenya mvana gbe dora pe mvana be amonetro jime. Problem wo la sinye vo mvana be amonetro jime. Ponye meto kusro nye be pome. Ne wakpo dede. Bene pome ame ame de katro jime a pome okata okpona dede. Nyatepe kemva jide via, kemfo fwa, le kudron bene ne le jivya nti gaji. Yemva vatoaji, kemva nkpoma ma ele mwanu fie. Yembende kukune do alo le po doji nam. Funu be do gberale, yemjo. Kenjo nya, santa na be gbaja doa di kakum. Kegame suwa, obola wadona be de via lolo wun. Embo onje si, ma ude le pove tepe ya. Funu en sofu, pove be karandriye so dare po donye di. Odo enya rendez-vous nam le 8 mars benenu ke le 9 mars a ola wodonam et le chose le 8 bezan mewa ye fuva tom dudu ye so 42 dare ko doji kaka ma ve do kondia ndi kore monu ke ngbendo. Hallelujah. Amen. Amen. Yehoa don kora obe gapo for you odo. Nji kora nyi gban kengbe dokita ovava eji jom wetroya ke ewan vayi sronye vayom mule mi agbo yi moji ke yo ma ebe ma yo usofu nyon ko va na gbonye ye mulo na ma yo ava di amenonam. Hallelujah. Eji jom. Hallelujah. So bi abe sro me lo na be na ai chochi o gake ai ke e ba jide via e to va yo be usofu yo va na gbo wa Vaglona odo ba di amenona de viana o. Oh hallelujah. Amen. Amen. Papa glona bena midi na vio va midi va di de vido a la nyamle ma vi. Ye nya te pe de via be va va esroñe le po promotion 2 mois ya. Esroñe le po promotion le domé. Hallelujah. Hallelujah. Nyumja ke va va je don ve ti tokwe inclusive be ma va da pe ne ma o. Vois que va en toi haya ken be so ke bola do hune elle le don elle le bois do hune a fini quoi va fi bois do hune impoté no vambe o ma de ne ke mi va igbe kaka zan la de be la mechance ne. Hallelujah. Jombe ma da kena ma. Amen. 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 Eh mi an va pomme le ton abe ke jivi o me ton va isa e obe ibe vi di doro problème re tabe ima gate fofu. A ji vio ba mezo be vire ka kuro po domene ko va wonu yo ka wo ba jia e ba ro problem e ro kita o le to de be mu gbateja a ji vio be o mo to ma be jia ye ji ko wa sero ko aye to cha be ye mu gbale mo popo me be ya ga ba ji vio la be o gbo ne be vi ji do ro problem ta ma ga te chofu ya ke ya ke iba i jagbla enu yo be ma ga te no fi ma wa yesu ya church o de a fi ma. Oh hallelujah. Me kanya ye do kita o gbo lo na o elle dit vie va toi dit et il continue obé vidi domenyo obé ya playa wa me dit ma clono be ami do vidi do la e va comme ene na yido elle a choi a de fo domena o elle ya ji on ton le ya poklo be nku o o amen gade amen. Alléluia. Amen. La maman remercie donc le Seigneur ce soir pour la merveille qu'il a accomplie dans sa vie. Tout a commencé par un morne qu'elle a fait. Elle alla à l'hôpital, les médecins ont dit qu'on quand même l'aider à accoucher donc cet enfant qui est mort. Et les médecins lui ont dit que donc l'utérus a un problème et que c'est fini pour elle, son utérus ne sera plus fécond. Et donc elle a traversé donc cet état de stérilité légère. Avant qu'elle n'aille à Jagblé pour l'ouverture de l'annexe, et lorsqu'elle y est allée avec un de ses amis qui était dans un problème, la prière a été faite et elles sont donc revenues à la maison. Elle dit dans une révélation, elle vit l'homme de Dieu qui est venu vers son ami à question, lui donna d'enfants. Et l'homme de Dieu a donné d'enfants dans la révélation à cet ami en question, à 3 fois de suite qu'elle n'a pas pu tenir. Et la maman dit dans la révélation, elle était fâchée par ce que faisait son ami. Et donc lorsque l'homme de Dieu envoyait encore l'enfant, elle dit, je vais prendre l'enfant et je vais te montrer comment la tenir. Et c'est ce qu'elle a fait et net, elle s'est réveillée. La maman dit, elle n'est pas y allée par rapport à son problème de procréation, c'est par rapport à d'autres problèmes. Et bien sûr, quand elle vient dans le camp aussi, c'est par rapport à d'autres problèmes. Et son souhait,
c'est que les gens qui sont dans sa famille puissent se convertir parce qu'elle est musulmane. Eh bien, le Seigneur a opéré donc cette merveille dans sa vie. Celle qui ne voulait pas d'enfants, qui avait eu déjà 3 enfants, le Seigneur lui a accordé cet enfant. Et donc, la grossesse est donc venue. La maman dit, lorsque la grossesse est venue, suite à cette révélation, rien que des cauchemars ne venaient. Et elle a eu donc une révélation un jour selon laquelle elle a donc accouché par césarienne. Elle ne faisait que venir dans le camp avec l'idée que le Dieu qui a mis donc ce fœtus dans son ventre ne va jamais permettre à ce qu'elle accouche par césarienne. La maman déclare qu'elle avait vu notre maman, évangéliste de jour-là, qui avait imposé la main à la grossesse. Elle est repartie donc à la maison. Le temps donc de l'accouchement était arrivé. La maman déclare qu'elle allait à l'hôpital pour l'accouchement. Les médecins ont dit que l'enfant a du surpoids, donc elle doit accoucher forcément par césarienne. Le rendez-vous a été fixé. Et la maman dit, lorsqu'elle est revenue à la maison le jour-là, la veille où elle devait aller au lendemain au rendez-vous, le Seigneur a donc opéré un miracle dans sa vie. Et celle qui devait aller accoucher par césarienne, cela n'est plus arrivé. Elle déclare qu'elle a commencé par avoir le travail de l'enfantement la veille même du rendez-vous. Elle s'est dépêchée pour aller à l'hôpital. À son étonnement, lorsqu'elle était arrivée au portail de l'hôpital, elle a accouché là-bas, voix basse, d'elle-même, avant que les accoucheuses n'arrivent. La maman déclare que son mari, puisqu'ils sont des musulmans, n'aime jamais qu'elle va à l'église. Lorsque le Seigneur a donc opéré cette merveille de procréation, de fertilité dans la vie de sa maman, la maman est en train de dire que lorsqu'elle a informé son mari par rapport à l'accouchement de son enfant, le mari lui a dit, va appeler tes pasteurs qui t'aident dans la prière afin que la membrane amniotique de l'enfant puisse donc être enterré. Voilà donc la merveille que le Seigneur a opérée dans la vie de cette famille. Et la maman dit, cela lui est donc devenu une obligation de venir dans le camp, partager le témoignage avec le peuple de Dieu. Parce que aussi l'enfant était malade. Et avant qu'elle ne vienne dans le camp avec l'enfant, l'enfant devait recevoir de la transfusion sanguine. Mais lorsqu'elle est venue dans le camp, le Seigneur a levé sa main. L'enfant n'a plus reçu de poche de sang. Il a été complètement guéri. Alors très content et ayant vu tout ce que le Seigneur a fait dans sa vie, elle est donc revenue cette soirée et tient sincèrement à exprimer sa gratitude au Dieu de Beauvais, l'opérant de cette merveille dans leur vie. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Yesu onu gan le nya agbeme. Amen. 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 Eva va me bemme kwa kudrede. Wa ba le nya bedome a enyenye ogun be pilot study ne bele no kokwa no nyura. Wa eva do garemo va kudrebe male keteke treme. Et voilà pipa. Voilà coup pipa quoi. Zereka kwa ti garde que tu mouva je modinam. Katia mouva je modia, mo coup pipa kaka va loatia. Wa amerika mo kule. E vo mo. Kwa ya kata mi dile, e vo mo jo. Wa nyen to mo khosebe e dro kuku balwe suso abosando e mwana e. Le bati di mo quoi. Oh, et nous pouvons pas si belle, madame, n'y a pas de nanaka comme ça. Un bon moment player, Mouassaro 80 000, Mouassaro 200 000. Ça vaut 80 000. Eh, nous avons bloqué. Yéma. Eh, abosam. Coclo Pagna, Evo, Coclo Vacu, Harikata, nous pata, nous pata, bloqué, nous chaka. Voir sur un yavan à poadi. L'ennemi, je go, quoi, y'en a un peu ma va. Mba o nyemele gara ya fire kayi gba gaba khona ne kpe tonyela apo bona mo fo ekiklina kaka kwa mba nyonu ye nchama je yo mpo kwa miva mo chon kuma le nuo pom mele chacha mo le nuo pom kaka kwa eni e do jijola nye ba ma fo mene do gbere kaka gba fo pa be le yesu ben come fi ma ba nya le ba ah menye na ne kesu bo le ke yesu asu bo le amen. Alléluia. Amen. Quoi, Mivajo, Emma Godomé, Amiatova, Croisade Relais, Adebayo,
Amen. 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 Voici que là Jésus Christ. Acclame Jésus Christ. Acclame-le s'il te plaît. Bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous on voyait nous car, mais la fois même, il m'a donné un recueil sur quoi téléphone il est sonné. Ma va quoi? Mais il quoi? Ah mais ben, au moins il y a un encadrement une photo en ben, et ben matin un encadrement ben quoi? Voilà. Quand bien yom manane tourne la forme, ben ne me y a. Lesquels bien nous qu'on a tiré, ne me y a. Il y a c'est y a au bloc masse, ma ouais. Effectivement, me y a. Nous commis on a subi c'est 4 000, 30 000 là. Ah ben bon, ma ouais, 25 000. Bon, patron, moi de coucouare, ma David est dynama. Bah ben, ma ouais, 35 000. Mais nous on a 40 000 quoi. Hello. Ma ouais, pas mon veuve a. Ne puis me gagner avec au dos comme ya. Est-ce que gavada la madame? Le mot affidile et jiba kakava doanigba, yesu de kaya, yesu webe de sambre ba mea, a fome fanam nye fine. Ma dak pena, papa luma vivo mauba, embe bedo mea, nuka yesu gava onam le nicho, bade yao le de sambre yao. Nidu fovo, dimanche a miami y chochi nekba, nikba vokwa motone, sura yekbe no vinyo bo. Quand on me va les séances qui va y aller à fin décembre va voir, ni avant ni après va à dix chapeaux et quoi dire, que mi va quoi mi dix chapeaux, kaka quoi mi va notre, te paye quoi mi choc bedora, quoi mi jo, et mi après ben, mi quoi ben Yesu a el lolo, el keke, el jotu. Le 7 de janvier, Yesu a eu choc vous bonade, ngoche, ton wolei, obo yo va don ngoche quoi. Yo escal yo note yabo toto amokata to lo fumo vo yabo toto lo fumo zereka kwa titan gare kwe va tue fo hada mere ba obo voa kwa dangbe kwa ya e tombe vanui o kokwe koyi obo ngwa che koji apre a driver ya si jolo vo o yo so ja opo o va ile driver o trova kakaro o trova sronya e to le serum abitu tu gba to mo pa enayi po so ja le bi obe na re o me ya obe evu o ma pa be gapo mo lo na gapo le lo gapo ro ko abo hey hallelujah ela gapo ma lo ga le lo ela boy hallelujah amen yo to mi se robo titan fo me evu gba voa amelagbe me kan ya dak pena o yesu e hallelujah amen ma gbe do me a so jo ba o kon sa kaka ga o be c'est pas possible ba sera yete re be lumovi po mawa ele agbe amen aye ko re yi amen aye na be na de komete wo yo amen to po be enu e ko veve e se veve ya e do choc la khada me a vo fou de comme ngo yes o radio o be de batro yi o yi obo fure kemo nyo wa e ko abile me ya wa mi da pe na yesu be eduji na mi amen e lagbe no wa manje pie la va voa nkeke yo me a e be ga to fe fe se pomo tre me na yi radio nya nya to nya kama fa ma va da pe na yesu amen afide nya lo pon gogo ara e be nu yesu ona bi amen 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 oh hallelujah amen praise the lord hallelujah amen Amen. Et il y a ceci, c'est la grâce de Dieu. Titan l'homme me fie la kakaï. Kaka le yesuta. Ekoto lagbe. Oh amen. Amen. Maula le wagberete. Amen. Dieu va préserver ta. Considère me yebe nyema ko. Voilà, le terme de cette semaine est je ne mourrai pas. Je vivrai. Ah, Yehova, mais donc, afia. Pour raconter les œuvres de l'Éternel. La mort planifiée contre toi, le Seigneur la changera en vie pour toi. Amen. Amen. Le papa remercie donc le Seigneur ce soir. Tout a commencé par un rêve qu'il eut.
Il dit, dans leur service, il était donc le chef de file. Alors, dans son groupe, s'il est dans un groupe et qu'une activité devait être exécutée, l'activité va bon train et que le résultat est donc acceptable ou même parfait. Il dit, il a eu un rêve dans lequel il conduisait un train. Et quand soudainement, il a vu un arbre qui a été déraciné, lui bloquant le chemin. Et donc, il était au volant le jour-là, mais il n'a pas pu freiner le train. Il a ramassé donc cet arbre qui est venu lui couper le chemin. Et donc, s'étant réveillé, il a constaté ou il a considéré si c'était qu'une révélation bénigne, mais ne sachant pas que c'était un complot de l'ennemi pour ruiner sa vie. Après cette révélation, il a constaté que la ruine s'est installée dans sa vie, la désolation s'est installée. Il a dit, ces activités ne vont que sans cesse décroissantes. Et ce qui a fait même qu'il n'avait plus rien. Il a dit, ces voitures qu'il avait même, il les avait vendues à vil prix. Si on dit vil prix même, c'est vil prix. Il a dit, une voiture, il avait vendue à 80 000 francs. Et l'autre, il avait vendu à 200 000 francs. C'était vraiment une vente à vil prix. Il dit, il était dans cette situation, la maison était donc chaude, ne sachant pas quoi faire. L'homme de Dieu est donc venu à Tochi pour une campagne d'évangélisation. Il y était donc le jour-là. Et l'homme de Dieu dans son ministère disait, avant décembre, quelqu'un verra effectivement sa gloire. Il s'est donc approprié de cette déclaration prophétique. Le Seigneur, voulant confirmer sa foi, bien voulant confirmer qu'il a vraiment reçu quelque chose le jour-là, il dit, il était à la maison le 7 novembre, quand il a reçu un coup de fil. Quelqu'un l'avait appelé. Et donc, il alla donc au rendez-vous et la personne lui avait dit, tu es tel ou tu es tel et tu exerces tel métier. Il a dit oui. Et donc, le monsieur dit, avant qu'il ne quitte la maison, une fois lui avait dit, une tâche te sera assignée. Et quand tu y vas, il ne faut pas trop discuter. Toi, il faut dire oui, monsieur seulement. Et lorsqu'il y est allé, il a discuté avec le monsieur le jour-là. Et tout a été conclu. Le monsieur a monté, il est venu avec une somme d'argent qu'il lui a remis. L'activité a été donc faite en ce mois de novembre. Et jusqu'au mois de décembre, le monsieur déclare que la stabilité est installée ou s'est installée dans sa maison. La prophétie qui a été donc déclarée par l'homme de Dieu est donc de laquelle il s'est approprié en novembre. Cette prophétie donc a porté cher dans sa vie le mois de décembre, selon que l'homme de Dieu l'a déclaré sur sa vie. Il dit, après les fêtes de fin d'année, il a décidé, lui et sa famille, venir dans le camp pour passer quelques séjours. Ils sont venus, ils ont prié, ils sont repartis à la maison. Il dit, un jour, sa femme devait aller vers Tong. Ils venaient quand ils ont décidé de faire escale à Nochen. L'escale a été faite, sa femme était en train de sortir de la voiture, quand du coup, un titan venait à tamponner donc sa femme et à tamponner aussi la voiture de laquelle la femme était sortie. C'était donc un accident assez grave où il devait avoir même de mort ou des blessés graves. La femme a été hospitalisée. Avant que les forces de l'ordre ne viennent pour le constat, le Seigneur a déjà rétabli la situation de sa femme. Tous ceux-là qui ont assisté à cet accident qui s'est produit le jour-là ont proclamé la grandeur de notre Dieu. Et le papa déclare que sa femme a dit à tous ceux-là qui étaient venus le jour-là que ce n'est nul qui était l'opérant de cela. C'est le Dieu de Noumovi qui a donc opéré cette merveille dans sa vie. Le constat a été fait, la radio a été faite, il n'y a pas eu de déboîtement, il n'y a pas eu de fracture, c'est rien que quelques blessures. Le Seigneur a veillé sur sa vie, le Seigneur a préservé sa vie. La maman est sortie indemne donc de cet accident. Le papa, ayant vu ce que le Seigneur a fait dans sa propre vie et dans la vie de sa femme, il est donc revenu ce soir et tient sincèrement à exprimer sa reconnaissance au Dieu de Beauvais, l'opérant de toutes ces merveilles dans leur vie. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Amen. 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 Oh, alléluia. Amen. 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 Dieu le fera ainsi à quelqu'un. Oh, amen. Amen. Le papa déclare que depuis ce jour jusqu'à maintenant, le Seigneur a résolu complètement la situation dans sa vie. Il dit, vous qui avez confiance en Jésus et surtout en le Dieu de Beauvais,
le Dieu de Gouvé vous donnera solution pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Otroya ejikarejo. Mbemade akwena Yehowa. Ma uyodom. Mbema chokafka futone. Le otroya. Eva va mebe 2020. C'était février. Donc, mi botu, mi ba lume. Mibi mi a o 2 semaines de ni a trojo. Wa. E mi o 2 semaines a, inyam trojo oyombe mava imdo ndasi soyan dare lume. Donc, mais dans 1 semaine et demie, bah, un coup de rêve et d'arriva, voyez mon coup d'arriva va mon, un coup de jujume, bah, et aussi bien 1 semaine après, bah, et dans mes nuits, quelque chose, et digne chose. Donc, allez que nous allons voir, comme le corona met à mea, n'y a pas de corona, eh, va y mouiller, quoi, tu peux pas te voir, n'y a pas de obé corona, m'lentigno. Mzati ko mi kodi mzaga buba eglo mlefuna keke kwa esro eva ho e revelation ba e o le tonebe e be isro o usro nevo donc o de dom nuño o du la segbe di kiki ndi pipe o keke ngo e ti ndi pipe kwa so kla e konan le so me revelation me wa o so kla konan e o le tonebe so wa be so akubo ba zirika kwa o vu tele. Et vous télé quoi? Et le quoi papa, papa, les n'a point de prière. Les drames qui va? Les drames. Quoi, y'a tout le monde, nous tout bien. Quoi, y'a tout le monde, quoi? Et bien, naté. Et bien, fort. Et bien, fort quoi? Et bien, y'a un bébé, ma boba. Et tout le monde, oubé. Il m'a dit, boba, parce que, allez que nous allons au moins. Déjà, les drames, coucou, mais, on peut pas, à me coller au nom, je suis au kiki. Je suis américain, mais à me toyer. Donc, américain, comme on va dire, les. Comment ça s'appelle, ma morgue? Béa Condi. Le tout le monde, non, mais jamais, maté comme vous. Mais que ce n'est pas pour tout le monde, allez que nous allons au mani, Mathieu. Donc, il va y passer que les miens pour le founa, il m'y est tout gratin. Donc, après, il me tourne pas sur le pays. Allez que nous allons au ma, ma bova tout ma bacou. Et bien, non, mais ma cou. Donc, il serait bien, n'est pas un bova, qu'un bova, ni bava, il conduit tout au bois et bleu. Donc, il m'y va, fille. M'y va, c'était en décembre 2020. Donc, et m'y ou je l'ai prié, c'est là que comme il y a séance, n'est quand je ne prie que quoi, même nos 3 jours, qu'elle m'envoie séance à pas, et m'y appelle. Qui m'y appelle, c'est quoi? On peut gazeton. Quoi que gazeton m'a mis gazé. Pour moi, ouébé, je veux gazé. Quoi que m'y a. N'est-ce pas, je m'a trop pas gazé. Que m'a trop pas gazé. Et non, il boit. Bah, il le tourne en bé. Et il le tourne en bé. Et poisson, et d'akeva, et beva de la maintenant. Que ce soit à Zétobo ou à Oum. Donc il me dit tant que monsieur nana et que monsieur banane ba mbé o akpena mawo le tour avec que segbe le tour be a dit que da tout le domaine yes o ba dit que be tout le domaine ma et le domaine wo be gbe abe o koto yo yo da dia to et on be gbe am koto yo yo mbé oké mbé akpena yo wa donc totalement ki va na gbe a o mle propre va mba et que mba et que na jone nem kayam le haya na ma me va wa ni mate et wa eno al ko ti wa nyasho parce que mpelelem. On peut les lembe ma, ni matin, ni matin. Ils me trouvent, caca. Ils sont mardi, ils me boba. Ils me bégbéré. Ma va couver, ma va adidasé. Agrona, ma ouvre agpené. Ils me magrona, mes débiles. Ma ouvre les pauvres. Amen. Ils me les pauvres ouah, comme beaucoup. Ils me les pauvres ouah, beaucoup. Eh ben, idia les niagua. Eh, allez comprendre ma. Et combat au bavanto, combat au bavag, bouboure qui me trouve ya et d'agbava. Que dava est sur le kobe bobo kokole de tane amene so ka clan le sultane dao ou le sultane dao ou le sultane dao pa et que force de kale le nyam le daloy que nyam foa et soye le khore revelation nene que nyam foa ko dare le e wale ke mamba e comment un cobra e wore jinyale ke c'est que un point vision façon flou quoi et trop tout pa evo et un pada akona mao e so yi dikia o baba o complot amame tomake. De cas, il y a un petit frère, à ta vie, il y a des cas, il faut faire un peu de grand frère. Maoué, il y a un vide, il y a un. Donc, au Kong, la Zébédi, au Balakong, les armes, au Balakong, au Balakong, à Zébédi, par Amérique, la Foyana, par Hong Kong, 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 par
doing a petit frère caca caca caca. Hey, comment on le dreme se recalca? Après la mao, comment on le dreme se recalca? Mle bobe, on continue me wima. Pas mon nom se reca. Elle est tôt. Elle coucoué. Judea, Judea, mi va do, amere wa bate mi, mi va se recalca. Et pon caca caca caca. Classial le pont kaka mbewa mbé maudu jina amen yakele to mbolo jina mbé maudu jina amen ne manye povewa nku amen parce que nkatiye maudu nan se e ntele o avune non parce que mira idetime nku dre mba idetime le fiera mi le tubira pangba po fufu emesoa ke va kwa e konde da ko fa fonam pangpo be mau koko iji nkoko si bebe pile ya me via onene pa ya le komina vitu kuire pa me trolle noa Tene, pas au temps, quoi. Marque ma cocon, cocon de la tille. Les bocons, coussoube, ou ma patrie. Alléluia. Amen. Amen, amen, alléluia. Amen. Le frère vit à l'étranger. Il dit, c'est à l'étranger qu'il eut un rêve dans lequel il vit un serpent venir vers lui. Mais il n'a pas vu le serpent partir. C'est après cette révélation qu'il est donc tombé malade, gravement malade même. Il alla à l'hôpital, les soins ont été faits. Mais bien avant cela, il dit, il a commencé par ressentir des brûlures dans ses intestins, ou dans son ventre. Tous ses organes internes étaient donc infectés. Il alla donc à l'hôpital, les soins ont été faits à l'étranger, mais il n'eut pas de solution. Sa femme qui est au Togo a donc eu une révélation dans laquelle... Et sa femme qui est donc au Togo a reçu donc une révélation dans laquelle elle voyait son mari. Et elle a vu le mari dont les intestins ou les organes internes lui ont été accrochés au cou, perforés même. Et donc une voix disait à sa femme, c'est donc le venin ou c'est ce que les démons ont fait avec les organes internes de ton mari. Ils l'ont amené dans les dimensions ou dans les règnes de l'esprit diabolique, l'ont perforé, l'ont même mangé, l'ont fait de n'importe quoi avec ses organes internes. C'est ce qui fait que donc cette maladie est arrivée donc dans sa vie. Et la révélation se poursuivait quand net un écran est venu devant sa femme. Et l'écran a été allumé quand la femme voyait l'homme de Dieu qui lançait des requêtes de prière. Et dans la révélation, la femme aussi était en train de prier quand subitement elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, elle appela son mari de revenir au pays. Le mari lui a dit, l'état dans lequel je suis, impossible pour moi de revenir parce que je ne me sens pas du tout bien. Le frère dit, ou le monsieur dit, qu'il alla vers certaines personnes pour leur narrer ce qu'il était en train de traverser. Il était même dépassé, fatigué de la situation. Il disait même qu'il va mourir. Mais ces personnes chez qui il était allé à l'étranger lui ont dit, tu ne vas pas mourir, la vie sera à toi. Grâce soit rendue à Dieu, le frère est donc revenu au pays. Et quand il est arrivé au pays dans le mois de décembre, lui et sa femme ont effectué donc le déplacement sur le camp. Et la séance s'était faite. Le monsieur dit qu'il est donc resté dans la séance. Il a fait 3 jours sans manger, sans boire. La séance était finie. Il est donc parti à la maison. Arrivé à la maison, il a eu envie de faire les selles. Il est donc allé faire les selles. Il dit le jour-là, une voix lui disait, retourne pour voir ce que tu as déféqué. Il a vu, les selles étaient donc toutes noires. Et donc la voix lui disait, le serpent que tu avais vu le jour-là, entrer dans ton ventre, c'était donc un venin qu'il a craché dans ton ventre. C'est ce qui a même perforé tous les organes internes dans ton corps. Mais aujourd'hui, le Dieu de Pauvet t'a délivré. Et après avoir déféqué cela, le monsieur dit qu'il a trouvé complète guérison. Il a été complètement, complètement guéri. Après cette délivrance de guérison, il dit qu'il eurent aussi des combats. Ils eurent des persécutions, ils eurent des complots, mais par sa présence dans ce camp ici et par la prière, le Dieu de Pauvet a fait de lui un géant dans les dimensions de l'esprit. Et en toutes choses, il a toujours la victoire. Il est donc revenu cette soirée partager tous ses témoignages avec nous et remercier le Dieu de Pauvet, celui qui a opéré ses miracles dans sa vie. Acclame le Seigneur. Amen. Amen.
Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Medak bena mau wetroya de mapa me pa agbeta. E me gadak bena de epedola opa agbeta. La be mi va bedudura de me la fia e mapa me ale maunya blombe mau le mau wo enuna mau le tuyaji wa ome le akpedam neo be amei la dak bena maula mau awo nunyere ne amen eye enyama wo dore nya jinye ye mele gare jombe ma planigba eye me va de gade lenti me va ble sima demi ton le to ya jina mau eye emegbe ye mau ton yaira me mele mele wa kpedada le septembre me le 2017 eye ewe epia me unu me planigba eye sto yejia mau hiram emo bagbare me sona vasa mau so how do de kasonam me so ekpo bene ba elanyigba odi e va po anyigba de be wona nukoa anonu fanejira ye me tonu papa. Amen. Ye Yehowa ton yaira. Amen. Eye Zaria eso mouvu de kasonam. Tricycle. Tricycle ka esonam. Me kwosu. Anyigba yi o plenama. Me tu apereji. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Voici pela Jesus Cristo. Jésus Christ, bien aimé. Clame Jésus, même si tu n'as pas compris. Emma me kwosu. Aye me va to ya di dia mau cho bure kanam hey voici quoi acclame Jésus pueda acclame Jésus pueda acclame Jésus s'il te plaît. Amen. Recela alléluia. Oh amen. Si ma demi tonne yo plaît ya go vune anigba va zokeke plero disciple va yo me après va vu plero oh amen praise the Lord. Alléluia. Me donc kube nya te paya mau pour nous pourer na mi les intercessions et mau pa ma pour nous pour le ti le paiement me be ile wo nu na mo vo gbe be yo ma da pe be ameyola wo alo adape na yila be ima glory be ayirawo eye wo zore me egbia. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ekpo mo fasi mo pa ma be anyi gbaro le no donneji abi ona bo do le ya no donneji elawo ava ape o oh amen le donu le kpo vea machi tomo ele jamion menye de ka ya po akpo akpo le me o amen gare la eye jijo be abadida se eye jijo be madida se adape na mau ye magboro na mi ato be anyigba ya anyigba wonu kure. Hallelujah. Lucianu na para anyigba ya dia ne jengenge ya ma vo gbere o. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Le frère remercie donc le Seigneur. Ce soir, il dit en 2017, il est venu dans le camp. Et donc en cette année 2017, l'homme de Dieu disait que Dieu a béni certains de façon inhabituelle dans ce camp, mais qui jamais ne remercie Dieu. Le jour-là, ayant écouté cela, il a été tellement touché. Il est reparti à la maison. Il dit qu'il était en train de faire de l'épargne afin de pouvoir s'acheter un parcelle de terrain. Il est allé prendre une partie de cette somme d'argent et a décidé d'acheter un demi-tonne de ciment. C'est ce qu'il a fait pour ce camp. Et quand il est reparti à la maison, il y a un déclic. Il dit qu'il ne faisait que venir dans le camp avec une moto qui n'était pas en bon état. Le Seigneur, voulant confirmer que ce qu'il a fait, il va le récompenser pour des générations, lui a béni avec une moto. Et le frère dit, ayant vu cela, il a constaté que vraiment,
cette terre est une terre fertile sur laquelle l'on doit toujours s'aimer et s'aimer à perpétuité. Et c'est ce qu'il a commencé par faire. Il dit, ça n'a pas tardé, le Seigneur l'a béni avec une moto tricycle. La parcelle de terrain qu'il a voulu s'acheter, après l'achat de cette moto tricycle, le Seigneur l'a béni à s'acheter son parcelle de terrain. Il dit, il n'a jamais cessé de remercier Dieu par rapport à ce qu'il fait dans ce camp, dans sa vie. La parcelle de terrain a été achetée, le Seigneur l'a aidé à construire sa maison sur la parcelle qu'il a achetée. Le Seigneur voulant continuer l'œuvre, l'a béni avec une voiture. Celui qui avait l'habitude de venir dans le camp avec une moto qui n'est pas en bon état, en ces jours, il vient dans ce camp avec une voiture qui est en son compte. Bien-aimé, qu'il vous souvienne, l'homme de Dieu déclare toujours, il y a certaines terres sur lesquelles, lorsque vous sèmez, vous n'allez récolter rien. Mais sur la terre de Beauvais, lorsque vous allez semer, c'est pour des générations. Le frère, ayant compris ce concept et ayant maîtrisé le contour de cette prophétie, l'a fait et il a eu gain de cause. Cette soirée, il est donc revenu remercier le Dieu de Beauvais, celui qui a donc opéré tout ceci dans sa vie. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Fufunka Yesu wala. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Oh, hallelujah. Amen. Oh, you remember the withdrawal. Amen. Eva veme be miomi me Jesu to ya jisan. Deko mille mi va ba generation vo ami de toko mille monji be. Hey, miawe mi ikpove. Mi be mi me Jesu pove ore. Au même moment, à mes bouts trois vingt miagbal à miabahomé, trois deux gonovigne de gare et tonabé miawe, miyikove. Donc, à Kemia miagbon à homé, novigne d'assiette bébé à doigt, mais à mi va togo les monstres de plus noir. Ouah, mais via pas tape que nous quoi bé miawe, miyikove. Mim de si pauvre, même de si pauvre quoi. Si d'ac bébé l'ennemi, elle est bébé trop, mais bon. Si bébé kakara possible, 20 ans à chien, mounye, nous toko de nous nouer ni nous yaou. Donc, quand nous avons dit que 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 nous dosi taya wanyen de sono vinyo chan non nous via mes vole do 45 avoir chom de son bon donc et nous ami sur les va toi dit gake voir et nous bou ma ou va le wala benyemi et va ba me na le tonye me afi kemle o dole a amede wa pombe ma va non donai quoi bon nyemu blanya de pepe ne quoi et be enam wetri ameve wetri ameve ke bena ma wetri ameve aso e va to pombe le ke mambe o nyen kwa to ta me abubu o enya wa imblo a any domesuine. Never no olo pompo ni nyam legbron obenya egbron la bena yo ni ni manchaole anero yo son akpe no le jinu seton et de ka ve ton ya la ko ya kokoko embe o o pole nu se o keke ami la enam la bena mekele menya tra ko mekele me o donc la nyawa ti a ju de ba ton ambe na munye apetonye ntio a ta ke de nu vit cuire siom embe apetonye ya pa de kamakpo. Jour où on est bon, quand il y a quoi dans la main, il y a sur nous, il y a maillon quand il y a ton là. Ben maintenant ouais, et bébé, et il y a un ton démon là où ben à tout nous coup, n'a dit ça mais que toi y sois. Donc à ça on va dans le même Yeshua, il y a une qui a mis à l'ado. Ou à des peuple qui est beladoua, trop t'aider à commettre. Ou à mille dix que ton lit que n'est quoi à mes doigts sida. Accident bedoa amede kwa amede yegba wa to na benene ele globe na enyenti ko e ngbaleva enu ya jobe nu ya ke be enyenti ko embe enye ya e ya ke nyini man e enu ya un seto wa nye vitu ku ya ti man wa fi wa o guru ka zur ke ngba wa e ga va kwa nye tan ne ku mi dogo ke va te va ju wa ne ku mi dogo wa mdogbe na mo fagbo
Elle sort et ni à Bocon de l'Etouamébé et ni à Ecou Bocon à l'Eonia. Je décasse les cas Bocon à coup bam. Que Bocon à coup Zereka, est-ce que tu as quoi? Laïti, Benemé, et que tu as quoi? Et ça, et tout. Tout bon, toi. Et c'est quoi, il y a un l'école, il y a un peu comme il y a un Covid avant. Quand tu as un peu de temps, il y a évangélisation, et quoi, mais que. Donc, à mine, on a commencé à écrire de ça de nous, et mi blanc, à de pépin, on a la porte, bocon, on a tous les anglo, kékéti. Et nous, on va les dit, manamana, jour de quoi, on va les rendre des siabé. Et n'y a pas de cunier les palomé. Les palomé, quoi, ma quoi, poplobito, quoi, pour ram. À poplobito, pour ram, comme à celui de Calais, qu'on a à poplobito. On le sait, c'est quand on a à poplobito, le sait, c'est celui de Calais, ou à domé. Ha de ka popo bito de ka sobe ya jejinya e fio de valo menan kwa mchantane ke mtro zondo a selia di ma ja a selia e ti po kwa mtro so ja a nya popo bito be bube ali kwa un ke am de drona no nye kuno vinyo un ke be drona wa nke ke tongwa kwa non de ke wa do mi ba ko me kwa mi singele joa a me ale globe eta kwa eku. Et que je veux pas mettre à bé et bali quoi. Et ta écou. Bon, quand les blancs n'ont pas de secoué. Alléluia. Quand les blancs n'ont pas de secoué. Ma toi y'a que dit quoi, n'a que l'embé noté. Trois seigneurs, quoi les blancs. Radeka quoi, n'a trop n'a dit. Ben, à me abé ta et ta quoi. Autre sorte de défi avant les tonnambé ou le port et ta. Mais à me y'a fait quoi, j'en a pas de toi. Va pas avec état enyi avec eu tantana e vegon be ali enya me ko jali na amewa enyi nenye kudo na ganyewe et ton quoi elenyi be miano a souci enyi e ye wa togble akwede dare nao bon fisi a o ma ho na waduma me same to de ka va nyanyi na a souci to wa o sitebe ya ho e ke ya po cha ya ka ho cha le si. On le tourne bien, il obéit toi, mais il toi et toi yo. Donc, enouani tu cara nona, wa do me gasa, kame kaka justice ben yambe vani na. Non yera ko kora atonde beva isodo e kwame. Kora atonde le kwame, unteke masuto, ola ba soti dena kora atwa. Ola yami me dene ko soti dena walo. Ni sore kongba o trivio. Kwa, oba yu ku akode, wando kwa le kora atonde fi kibe dona sidoa. Ou au bendo quoi, on va drager plein à toi. Et on que quoi, voilà ton horaire à toi, bé. Et non, yéwa, piqué crise. Yé, belle conti, et ya cousandéa. Ne quoi, et que ma ou la biobe quoi, soit basse, mais béye nalo. Boke m'besse, y'a quand on a yambe, et non, y'a diame. Quoi, cacao le blonia, mille se gâte, ha le cacao le blobé, ah, et ni n'y a un tonto la homé. Le globe no crise avoir ne kemo ne kemo wona nyo fi obo don dereti voilà donc a ye kebe a to la home taka ba go moto me a ye to pique crise le moto coule le funu c'est des cas alléluia amen mau son ti ko kwene ya malin o trois souben. Pobeyi me ba nu guntimi le wa apa e maule wona mi mko sebe na avanwa e trodomi mintele de son na pawa uno ane yeji ne uno amo sebe nkenyi nwa ntonto lava amen e mdi matola me de bena mde kukuna mi ne mui na ne franchement mwa me nveve de bena ne mui na tochi de ko. Ne m'a dit que tu as 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 dit que mi as dit que tu as dit que elle a tout sous mes noms. Elle a tout sous mes noms. Yokata. Amen. 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 Voici que la Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Alléluia.
Amen. Le papa remercie le Seigneur ce soir. Il dit, il n'a jamais connu ce camp et il n'est jamais venu aussi. Il revenait d'une soirée d'évangélisation quand quelqu'un est venu les croiser en cours de route et la personne leur a dit, allez à Kove. Leur réponse était, nous ne connaissons pas Kove. Où est-ce que Kove se trouve? Comment faire pour y aller? La personne les avait quittés. Au même moment, il y avait quelqu'un qui est allé chez un de leurs frères à la maison, lui dit, bien-aimé, allez à Kove, toi et tes collègues. Le frère, le papa déclare qu'il revenait de l'évangélisation quand le frère à qui le message a été livré aussi venait ou sortait de sa maison. Et tous deux se sont croisés à un carrefour. Et c'est là, il y a quelqu'un qui est encore venu le confirmer ou leur dire, une troisième personne, bien-aimé, allez à Kove. Quand bien même ils ne connaissaient pas Kove, et le jour-là c'était un vendredi, il se faisait aussi déjà tard. Ils ont quand même décidé de venir à Kove. Et le vendredi là, ils ont quand même fait de leur possible et ils sont venus à Kove. Et lorsqu'ils sont venus, la prière a été faite, ils sont repartis à la maison. Et le frère dit, il vient chaque fois prier par rapport à une situation ou à la situation de célibat. Mais le Seigneur est en train d'engager d'autres combats en leur faveur. Il dit, lorsqu'il est parti à la maison dans son service, un frère ou un collègue est venu vers lui, lui proposant un travail. Il lui a dit, donne-moi un délai, je vais aller réfléchir. Le délai étant dépassé, le monsieur est donc revenu lui dire, tu n'as pas encore fini de réfléchir. Il dit, donne-moi de temps, je n'ai pas encore fini de réfléchir. Et c'est là, ils ont commencé par se lancer des mots. Et ce sont des mots de défi. Et c'était donc une question de sauve qui peut. Et celui qui lui proposait le travail ou le collègue de service lui disait, monsieur, fais donc attention. Est-ce que tu connais celui que je suis? Fais attention, c'est moi-même qui me saisis. Sinon, tu sauras de quel bois je me chauffe. Et le monsieur dit qu'il ne l'a pas laissé faire. Le jour-là, il a aussi parlé. Et il lui a dit, je te donne le privilège. Je te donne le droit. De quoi tu es capable, manifeste-le. Et nous allons voir. Mais moi, je sais, celui que j'adore, qui s'appelle Jésus, tu as affaire avec lui. Et c'est ce qu'il a déclaré. Il est parti donc à la maison. Et arrivé à la maison, il a donc réfléchi par rapport à la situation. Et s'étant mis à genoux, il a confié l'affaire à Jésus. Il a dit, Jésus, je ne sais même pas de quoi il est question, mais seul toi le sais. Affronte cette situation. Et le papa déclare que ça n'a pas duré. Le monsieur là qui lui a lancé des imprécations, des défis, avec l'intention d'ôter sa vie, il est tombé gravement malade. Et il a même fui de sa localité. Il ne venait même pas au service. Il est allé se réfugier quelque part. Et il est même allé se lier de mèche, où il est allé former des complicités avec un charlatan, avec un féticheur, afin que la vie de notre papa soit ôtée. Mais le Dieu de Kove qu'il a rencontré a levé sa main. Le féticheur est parti. La vie du féticheur a été ôtée. Voilà donc le début de la merveille. Et ça n'a pas tardé, l'ami ou le collègue de service là, qui lui lançait des imprécations, comme quoi il va lui montrer, ça n'a pas tardé, le Dieu de Kove a ôté aussi sa vie. Voilà donc la seconde merveille. Et le papa déclarait que tout cela, ou après cela, ils eurent des combats et des persécutions. Un jour, il a eu une révélation dans laquelle il voyait une cinquantaine de crapauds venir vers lui. Et le chef de file des crapauds était donc un chat. Et lorsqu'il venait, il y avait un crapaud dans le groupe qui a sauté, venu vers lui, ou voulant venir vers lui. Et il ne sait d'où une machette ou une hache lui est venue à la main. Et immédiatement, il a fracassé la tête de ce crapaud. Et voulant fracasser ou voulant tuer le chat qui était donc le chef de file de ces crapauds, le papa déclare que la hanche est allée se positionner à la hanche d'un des crapauds. Et voilà, subitement, il s'est réveillé. Il était à la maison quelques jours après, et quand quelqu'un est venu à la maison, lui dit,
Vous ne savez pas ce qui se passe. Voilà, il y a quelqu'un là-bas qui dit ma tête, ma tête, ma tête. Et voilà, il est parti. Il y a aussi quelqu'un qui disait ma hanche, et ce qu'il était en train de dire, il est parti. Il dit, il a écouté cette voix le jour là dans la maison, mais il a voulu sortir. Quand il était en train de sortir, les pas étaient en train de se faire, quand une voix lui dit, monsieur, ne sors pas, arrête-toi et écoute bien ce qu'il est en train de dire. La dame qui est venue dans la maison avec la mauvaise nouvelle, qui était leur bonne nouvelle, a encore réitéré ce qu'elle a dit. Et c'est là qu'il a su ce que le Seigneur a fait. Et la voix lui disait, vois ce que je t'ai fait. Et c'est ainsi la révélation lui venait. Et la voix lui disait, voilà celui ou le crapaud que tu as frappé par la tête. Voilà, c'est le méchant là qui est mort dû au mot de tête. Le crapaud que tu as frappé par la hanche, c'est donc le méchant qui est aussi mort par les mots de hanche. Voilà donc les merveilles que le Seigneur a accomplies dans sa propre vie par rapport à ces serpents à domicile qui étaient en train de gangréner sa vie. Et le monsieur continue son témoignage et dit, sa maman ou leur maman avait de quoi épouser. Étant dans la maison de leur papa, on leur avait donné des chambres. Et la maman, ayant vu les menaces qui s'en suivaient dans la maison, a décidé de quitter la maison et louer la chambre. C'est ce qui a été fait. Mais ces personnes-là qui étaient donc contre leur vie, voulant les martyriser, les maltraiter toujours, ne faisaient que jeter des sorts, ne faisaient que ensorceler cette chambre. Un jour, de ce croix, ils ont encore fait un cri qu'ils ont déposé à la devanture du locataire. Et ils sont venus avertir le locataire. La maman qui t'a loué cette chambre a fait une crise. Bien-aimé, fais attention, sinon sa mort sera sur toi. Le monsieur dit, ayant appris cela, a su que c'était donc une manigance, c'était donc un plan diabolique qui était en train de planifier encore contre leur vie. Quand bien même sa maman n'était pas malade, la maman n'a pas fait de crise. Il a encore apporté l'affaire dans la présence du Seigneur. Celui qui était donc à la base en voulant à la vie de sa maman, le Seigneur est allé l'ôter. Ça n'a pas tardé. On a donc appris de sa mort. Voilà tous ces combats que le Seigneur a engagés en sa faveur par rapport à toutes ces méchantes personnes qui sont auprès d'eux en train de détruire leur vie. Il dit, il vient dans le camp par rapport à d'autres situations, mais voilà ces combats que le Seigneur a livrés en sa faveur. Ayant vu tout cela, il est donc revenu ce soir en toute humilité partager ses témoignages avec le peuple de Dieu et remercier le Dieu de Kové, celui qui a livré ce grand combat en leur faveur. Acclame le Seigneur si tu es content, s'il te plaît. Amen. Amen. À part, tu es béni. Amen. Bien aimé, tu peux acclamer Jésus. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Mao Neyirao. Que Dieu est béni te bénir. Mia, d'appeler mia non vie mia, fofolo, obé, mia d'appeler mao na yo, be mao en ugana yo, le tuyaji, mia nodo, om le fio, le moji, be mao yo dorina yo, ou la pedana, e mao. Afi mia novi alo mia norebe mau yo edo se serina yo ple igba ple ivi e yo la pe damne edo ike mau yo nawo enye ta frache sida be do ebe le iti ye ye kwa iti ibevia ye ke yo dole la ova le iti yo va y analize la ova kwa na yo ye yo va le vatuoji kaka devia le kho devia le chi le do pe wenyi. Dans la lentille de Nema, il va le vato et dia, il va y analyser, il va voir que qui a positif, il va le négatif. Alléluia. Dieu de Kové. Oh, alléluia. Amen. Quoi, et dit joy. Be, y a d'akbera maou, amèke de yole, dans le volie, be, asib. Amen. Amen. Et certains bien-aimés nous recommandent de dire merci à Dieu en leur faveur par rapport aux différents combats qu'il a combattus dans leur vie. Et une maman spécialement
nous dit de remercier Dieu en sa faveur et en la faveur de son enfant qui ont été diagnostiqués positifs au sida. La maman dit que l'enfant est donc âgé de 18 ans avant que la maladie ne soit diagnostiquée. Et tous deux ne faisaient que venir dans le camp afin que le Dieu de Kobe puisse opérer la merveille de guérison. Tout récemment, elle et son enfant sont repartis à l'analyse. Le test a été révélé négatif. Voilà, le Dieu de Kobe a encore guéri ces deux personnes du sida. Et la maman et son enfant tiennent sincèrement à remercier le Seigneur ce soir par notre intermédiaire. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Dieu fera encore un mystère parmi nous ce soir. Amen. Amen. Après ton départ, tu auras fait l'analyse. La maladie qui a été diagnostiquée, on ne verra plus cette maladie. Amen. Que quelqu'un réponde Amen. Alors en ce moment, nous allons aborder une autre partie de notre programme. Et cette nuit, d'habitude, cette nuit, nous prions par rapport au thème du serment à domicile. Les méchants qui ne souhaitent pas qu'on vive pour jouir de la bénédiction de Dieu, le Seigneur les enlève de nos voies, de nos chemins. Alors en ce moment, nous allons écouter la parole de Dieu puis entrer dans la prière. Dieu va passer par son serviteur. Celui qui est un responsabilisé dans ce camp. Nous voulons parler. Subola. Du serviteur. Nous m'en vie. Nous m'en vie. Doji. Doji. Paul. Alors quand il se lève bien aimé. Voici que la Jésus Christ. Acclame Jésus Christ. Voici que la Jésus. Voici que la Jésus. Acclame Jésus. Hallelujah. 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 Africa come. Je vous n'avons. Si avons. Masero. Quelle est cette clé qui ouvre les portes? Yes, Jésus est la clé. Oh, sa vie est la clé suprême. Mais ben, ça fait comme, je vous n'avance pas avant l'eau. Quelle est cette clé qui ouvre toutes les portes? Yes, Jésus, yes, et donc cette clé. Oh, sa vie est la clé. Yeah.
Mes enfants, mon peuple, ce soir, ma gloire agit parmi vous. Mon esprit plane parmi vous. Mes enfants,
Wetroya. Ce soir, je suis en colère. Mais la danse, je suis en colère cette nuit. Benama Wava. Afin de combattre. Benama Wava. Afin de combattre. Fifila. Maintenant même. Yehowa. Moi l'Éternel. Mais les hommes. J'agis. Mais les hommes. J'agis. Mais les hommes. J'agis. Paravigno. Mes enfants. Plusieurs sont parmi vous et ils sont torturés. Ils sont torturés. Les esprits de famille, les puissances de famille, les méchants dans vos familles respectives sont en train de vous torturer. Plusieurs d'entre vous devriez atteindre votre niveau depuis très longtemps. Le niveau que j'ai fixé pour vous, afin de vous placer là, vous devriez les atteindre depuis très longtemps. Mais ces méchants se sont levés contre vous. Ils affrontent vos vies. Plusieurs d'entre vous, vous vous battez afin de vous échapper de leurs mains. Mais jamais vous n'y arrivez. Il vous domine. Il vous assujettissent. Mais cette nuit, moi l'Éternel, je me suis levé dans le combat. Je me suis levé dans le combat. Je me suis levé dans la bataille. Maintenant même, mes enfants, je combats. Je combats. Je combats. Il y a quelqu'un parmi vous. Il y a quelqu'un parmi vous. Sa souffrance n'est pas loin de lui. Les méchants de sa famille. Les méchants qui sont dans sa famille. Les méchants de sa famille. Ce sont eux qui se sont levés contre lui. C'est eux qui l'ont ciblé. C'est eux qui se lèvent contre lui. Mais cette nuit, la bataille s'enclenche maintenant. La bataille s'enclenche maintenant. La bataille s'enclenche. La bataille s'enclenche maintenant. J'écrase les choses. Je brise les choses. Je disperse les choses. Je disperse les choses. Car vous êtes chers à moi. Vous êtes des personnes chères à moi. Je vous ai choisi moi-même. Et c'est moi l'Éternel qui vous ai choisi afin que vous me serviez. À cause de mon nom, vous êtes torturé à un point. Vous êtes tellement torturé. Maintenant même, j'agis. Il y a quelqu'un parmi vous. Et moi, l'Éternel, je lui ai fait des promesses. Et la promesse que je lui ai faite, la promesse devrait s'accomplir depuis longtemps. Elle devrait porter cher depuis longtemps. Parce que je ne suis pas un homme. Et lorsque je parlerai, je vais donc désobéir à ma parole. Mais c'est méchant. C'est méchant. Se sont levés. Comme quoi ma promesse ne s'accomplira jamais dans sa vie. Ne portera jamais cher à sa vie. Je suis en colère cette nuit. Je suis en colère cette nuit. Je suis en courroux cette nuit. Ces derniers temps, ces derniers jours, avant la fin de l'année, mes promesses avant mes vont s'accomplir dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon peuple, dans la vie de mes élus, dans la vie de mes bénis. Alors cette nuit, j'agis. Il y a quelqu'un parmi les gens. Je l'ai tellement élevé. Et il devrait atteindre ce niveau depuis très longtemps.
Mais sa belle famille, la famille dans laquelle il s'est marié, les membres de la famille de son mari, ce sont eux qui se sont levés contre lui. C'est eux qui se lèvent contre lui. C'est eux qui se lèvent contre lui. Mais cette nuit, je me suis levé pour ta cause. Je me suis levé pour ta cause. Je me suis levé pour ta cause. Je combats pour toi. Je combats pour toi. Je combats pour toi. Reçois ta bénédiction cette nuit. Reçois ta bénédiction cette nuit. Reçois ta position. Reçois ton poste. Reçois ton poste. Reçois ton poste. Car j'ai vu ton cœur. Le cœur que tu as. Et moi l'Éternel je l'ai vu. Tu as un bon cœur. Tu as un bon cœur. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de faire grâce. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire grâce. J'ai décidé de faire grâce. Et c'est puissant. Mais cette nuit, je combats. Je combats. Je combats. Il y a plusieurs parmi vous. Ces serpents. Se sont levés contre eux. Ces serpents se sont levés contre eux. Ces serpents se sont levés contre eux. Mais cette nuit, la bataille s'enclenche contre ces serpents. La bataille s'enclenche contre ces serpents. Les serpents qui sont dans vos familles. Les serpents qui sont dans vos familles. Et qui et qu'ils ont jeté leur venin dans le corps de plusieurs. Ils ont mordu plusieurs personnes et ces personnes sont atteintes par les venins. Mais cette nuit, je me suis levé. Je me suis levé. Je me suis levé. Je me suis levé. Sors de leurs mains. Sors de leurs mains. Sors de leurs mains. Reviens cette nuit. 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 Mes enfants, cette nuit, croyez-moi. Et je combattrai pour plusieurs personnes cette nuit. Je combattrai pour vous sans réserve. Je combattrai farouchement pour vous. Car il y en a parmi vous qui souffrent entre les mains des serpents à domicile. Qui souffrent entre les mains des serpents à domicile. Mais cette nuit, je combattrai pour vous. 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 Il y a un homme ici. Il y a un homme ici. J'ai un grand projet pour sa vie. J'ai un grand projet pour sa vie. Pour le bénir. Je veux tellement le bénir. Mais cet homme, ses collègues de service, il y a quelqu'un parmi ses collègues de service qui utilise les puissances démoniaques de son pour ôter sa vie. Pour ôter sa vie. Mais cette nuit, moi l'Éternel je les ai vus. J'ai vu leur complot. J'ai vu leur complot. Et maintenant même, je combats. Je combats. Je combats. Je combats. Maintenant même. Homme, après ton départ de ce camp, tu verras les signes. Tu verras les signes. Tu verras les signes. Maintenant même. Ma puissance agit. Elle combat pour toi. Elle combat pour toi. Elle combat pour toi. Sors de leur réunion. 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 Mes enfants, cette nuit, unissez-vous à moi. Unissez-vous à moi. Et si vous vous unissez à moi, cette nuit,
Les serpents à domicile qui se lèvent contre vous. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Et je vaincrai pour vous. Et les jours à venir, vous reviendrez ici avec des témoignages. Vous reviendrez avec des témoignages. Vous reviendrez avec des témoignages. Vous reviendrez avec des témoignages. Cette nuit, ma gloire jaillit. Mes élus, mes oins, ceux-là que j'ai choisis pour mettre à la tête de mon corps. Cette nuit, Medidiva, je suis descendu pour combattre pour vous. Medidiva, je suis descendu pour combattre pour vous. Et là-bas, le il y a plusieurs parmi vous. Ouais, des complots ont été formés. Ils ont fait des réunions contre leur vie. Mais cette nuit, yo, moi, l'Éternel, je me suis levé atantia, dans ma colère. Et j'interviens dans votre bataille. J'interviens dans votre bataille. J'interviens dans la bataille pour vous. Et tous qui forment des réunions contre vous, la bataille s'enclenche dans leur réunion. La bataille s'enclenche dans leur réunion. Maintenant même, j'écrase les choses. Je brise les choses. Je brise les choses. Je brise les choses. Il y a quelqu'un parmi vous. Ils ont prévu qu'il ne vivra pas jusqu'à la fin de l'année. Qu'il ne vivra pas jusqu'à la fin de l'année. Ils sont en train de planifier la mort contre lui. Ils planifient la mort contre lui. Maintenant même, moi l'Éternel, je combats pour toi. Sors de la main de la mort. Sors des mains de la mort. La mort qui ne vient pas de moi l'Éternel. La mort qui vient des méchants. Sors de leurs mains. Sors de leurs mains. Sors de leurs mains. Et mon projet pour ta vie s'accomplira. 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 Mon nom. Mon élu. Toi que j'ai élu. Toi que j'ai choisi pour placer dans ce camp. Cette nuit, je combats pour toi. Je dis, je combats pour toi. 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 Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Tes ennemis. Dans la contrée de tes ennemis. Il y a du tumulte. Il y a du tumulte. Il y a une agitation. Ce qui veut dire, si moi l'Éternel j'aime aujourd'hui, qui pourrait se lever? Si moi l'Éternel je prévois quelque chose, si je prévois quelque chose, moi l'Éternel, le Tout-Puissant, moi l'Éternel, qui a créé l'homme et est mis en lice, si moi l'Éternel je forme un projet, qui pourra s'opposer? Qui pourra s'opposer? Personne. Personne n'est ici. Alors cette nuit, nous tout ce qui se lève contre mon projet, contre mon projet, cette nuit, je combats, 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 je combats. Rien ne pourrait résister devant moi. Je brise les choses cette nuit. Je disperse les choses cette nuit. À cause de toi, je combats une forte bataille. Une forte bataille. Une forte bataille. Je combats pour toi. Cette nuit même. Cette nuit même. Cette nuit même. Toi, ne crains pas. Rien ne t'effraie. Ce que moi l'Éternel j'ai prévu, je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Car plusieurs âmes sont encore dans les ténèbres. Que moi l'Éternel j'amènerai à la lumière. Plusieurs âmes sont encore errantes.
dans les ténèbres. Et que moi, l'Éternel, je dois sauver par ta main. Toi, prépare-toi. Et dans le canal. Tu as du ministère qui t'attend. Prépare-toi. Tu as du travail qui t'attend. Reçois la bénédiction. 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 Pour continuer ton ministère. Pour continuer ton ministère. Pour continuer ton ministère. Moi, l'Éternel. Que ma main vienne sur toi. Que ma main vienne sur toi. Que ma main vienne sur toi. Et cette nuit, je t'utiliserai encore pour combattre en faveur de mon peuple. Je t'utiliserai cette nuit pour combattre sans réserve dans la vie de mes enfants. Je combattrai dans la vie des infirmes. Je combattrai dans la vie des malades. Je combattrai dans la vie des pauvres. Je combattrai dans la vie de toute personne confondue. Ma paix vienne sur vous. Que ma paix vienne sur vous. Amen. 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 Alors, partout où tu es cette nuit, sache que Jésus vaincra pour toi. À chaque jour, ces séquences et thèmes de prière. Et pour ce soir, nous avons pour thème serpent à domicile. Que veut dire serpent à domicile? Le serpent à domicile, c'est l'ennemi de l'homme qui est tout près de lui. Mais tu ne pourrais jamais imaginer que c'est cette personne-là qui est à l'origine des difficultés que tu traverses. Et le serpent à domicile veut dire simplement l'ennemi de l'homme qui est tout près de lui. Et il y a une différence entre adversaire et ennemi. Ton adversaire, c'est peut-être quelqu'un qui t'a offensé et vous pouvez vous garder rancune. Et Jésus même recommande, si ton adversaire a faim, donne-lui du pain à manger. Mais l'ennemi, lui serait en train de rire face à face envers toi, mais intérieurement il cherche ta mort. Il souhaite la chute de ton travail, la mort de ton mari, de ta femme ou de tes enfants. Dieu n'est pas meurtrier. Mais si quelqu'un décide de tuer la personne elle-même, on la cherchera et on ne la verra plus. Et puisque certaines personnes ne l'ont pas compris ou n'ont pas bien compris le sens de cela, il se pose la question à savoir, faut-il prier pour la mort de son ennemi? Écoutez, lorsque je prie et je dis, l'ennemi qui est à l'origine de mes difficultés, que Dieu frappe cet ennemi, écoute, si tu n'es pas mon ennemi, Dieu ne va pas te frapper. Voilà, Dieu n'est pas insensé. Que je le sache ou que je connaisse mon ennemi ou pas. Pendant que moi je suis en train de prier, Dieu n'ira pas tuer quelqu'un qui est innocent, quelqu'un qui n'est pas à l'origine de mes difficultés. Alors, dans les témoignages, vous pourriez clairement comprendre la façon dont certaines personnes, c'est les membres de leur propre famille qui se sont levés contre eux. Et c'est par la prière que Dieu leur a accordé la victoire.
Ils sont venus rendre témoignage. Et toi aussi, tu rendras témoignage. Que quelqu'un réponde Amen. Les gens rendent témoignage, alors toi aussi tu rendras témoignage. Et c'est cette nuit même. Ce n'est pas demain, ni après-demain. Mais jusqu'à la fin de la prière, une bataille va s'enclencher dans certaines maisons. Et certaines personnes recevront des coups de fil cette nuit même. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous servons est en feu. Le Dieu que nous servons est en feu. Je dis, il va encore briser les choses cette nuit. Et partout où ils tiennent des complots contre toi, l'Éternel Dieu combattra pour toi. Alors, comprenons clairement que l'ennemi est différent de l'adversaire ou de l'opposant. Parce que ces temps que nous traversons, il y a tellement d'enseignants et de prédicateurs. Et tu peux entendre dans certains enseignements qu'il n'est pas bon à ce que Dieu combatte son ennemi. Alors je voudrais dire à quelqu'un, il y a certaines batailles, sans même que tu n'ouvres ta bouche, Dieu lui-même s'engage en ta faveur. Il y a certaines batailles où l'homme lui-même doit se lever avant que Dieu ne l'accompagne. Alors si tu te négliges, les sorciers vont te manger et c'est au dernier jour que Dieu va juger ces sorciers. Ils peuvent te tuer. Les méchants peuvent détruire ta vie.
Peut-être plus tard, la personne ou ce méchant-là peut se convertir. Mais c'est toi qui es mort. Que personne ne vous trompe. Alors si cela ne vient pas du ciel, Dieu n'allait pas combattre pour que nous puissions écouter ou entendre le témoignage. Et partout où tu te trouves sur cette terre, et il y a quelqu'un qui t'empêche de jouir de ta vie. Et la personne se dit, si elle est vivante, que jamais tu ne connaîtras la joie. Et si jamais la personne n'existe plus, toi tu auras la joie de façon parfaite. Et c'est cette année même que Dieu combattra pour toi. Quelqu'un t'empêche d'enfanter. Quelqu'un t'empêche d'être en bonne santé. Quelqu'un t'empêche d'avancer ou d'évoluer. Et Dieu combattra pour toi. Dieu combattra pour toi. Dieu combattra pour toi. Alléluia. Amen. Alors s'il vous plaît, nous allons lire un test biblique et rapidement après cela nous allons prier. Nous allons lire dans Marc 14 le verset 17. Amen. Marc 14 le verset 17. Nous allons lire du 17e jusqu'à la fin du verset 21. Aye, esi fiasido, aye akle amewie viawova, aye esi wo bobono anyi, lenu dumla, yesu blobena, van mele, ek blomna mi bena, miadome amereka, si lenu dum plimla, la dem asi. Aye wode asinu hahame, le ebiam, de kade kabena nyelo ke egblonawo bena enye amewie viawo dometo de ka amesipe asile agbame demprim ke ame agbetovila le yiyim abe alesiwo ngrode le enti ene gake baba na amesiji wato ade asi amagbetovila asi anyona ame ma bena omaga haji o. Amen. Nous lisons dans Marc le chapitre 14 le verset 17 jusqu'à la fin du verset 21. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre: est-ce moi? Il leur répondit: c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Amen. Baba na wo futo o. Malheur à tes ennemis. Ame yo le wo ku wo to yi wo ko npe pe o gbe gbe jim la. No me ga haji o la enyo. Ceux qui souhaitent ta mort, ta chute, ta ruine, ce serait mieux pour eux s'ils n'étaient pas nés. Aya nyi nya gbo di sike Yesu gbo. C'est donc la prophétie que Jésus a prononcée. Alo egbe sike Yesu dora. Ou la prière que Jésus avait faite. Suite à un événement, Jésus a fait cette déclaration. Il existe deux catégories de malheurs. Si un événement malheureux arrive à quelqu'un, la version EV dit courage à la personne. De même, si par hasard tu offenses quelqu'un, tu peux présenter des excuses à la personne. Et le malheur dont parle Jésus dans ce passage, la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour sauver l'homme. Il a choisi 12 disciples. Et l'un des 12 Et au trésorier qu'il a nommé trésorier. Et
Et c'est lui qui s'occupait des finances. Et son nom est Judas. On est partout où ils allaient. Lorsqu'ils ont besoin ou lorsque l'équipe a besoin de l'argent, Jésus leur disait, allez le voir. Il a été promis que Jésus mourra. Mais c'est une personne qui le livrera. Normalement, est-ce que Jésus allait encore dire malheur à celui qui allait le livrer? Mais la Bible nous dit que à table, lorsqu'il mangeait, il parle fréquemment de ceci. L'un d'entre vous me livrera. Et lorsque les jours de sa mort s'approchaient ou s'annonçaient, ils étaient encore à table et ils mangeaient. Et Jésus a commencé par parler à nouveau. Il dit, c'est l'un d'entre vous qui me livrera. Celui qui met la main dans le même plat que moi. Et quand vous lisez dans Jean le chapitre 12, il a dit dans ce passage-là, et il dit, si je prends tout de suite le pain, celui dont je vais passer le pain sur son poignet, sachez que c'est lui. Jésus savait. Il le connaissait. Et il savait très bien qu'il était tout près de lui. Et c'est lui qui le livrera. Mais dis-moi, Blona, je voudrais te dire que partout où tu es, il y a un méchant dans ton service, dans ton quartier, dans ton marché. Et sans que tu le saches, Jésus, parce qu'il est Dieu, il savait tout, il connaissait tout. Mais nous, nous sommes chers et saints. Tu ne connais pas encore celui-là qui va te livrer. Mais Dieu, le Tout-Puissant, celui qui connaît ce méchant-là, Dieu combattra pour toi cette nuit. Dieu combattra pour toi cette nuit. L'Éternel combattra pour toi cette nuit. Et Jésus dit, celui avec qui je mettrai la main dans le même plat. Et la Bible nous dit, cela avait tellement touché Pierre. Et cela a attristé également les autres apôtres. Y a-t-il quelqu'un parmi nous ici qui va livrer le maître? Cela les a étonnés et attristés. Et Pierre demanda, maître, est-ce moi? Yes, but, oh. Jésus dit, je ne sais rien. André, but, à André de demander, est-ce moi, maître? Et but, oh. Il dit, je ne sais rien. Jacob, but, oh. Jacques aussi a dit, est-ce moi, maître? Et but, oh. Il dit, je n'en sais rien. Johannes, but, but, oh. Jean aussi demanda, est-ce moi? Il dit, je n'en sais rien. Judas aussi, dans son hypocrisie, a encore demandé au maître, Seigneur, est-ce moi? Lui, il pensait que Jésus ne le connaissait pas. Eh bien, Jésus, je venais de le dire, qu'il est Dieu. Il dit, c'est toi-même qui le dis. Alléluia. Amen. C'est toi qui viens de le dire. Et bien Jésus s'en était irrité. Et il dit, le Fils de l'homme s'en va. Selon ce qui est écrit. Mais malheur à celui par qui il sera livré. Mes chers parents, ta maman génétique peut engendrer et souhaiter encore ta mort. Et si tu ne le sais pas, tu ne le sauras jamais. Même ton papa génétique. Oh, amen. 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 Il y a un méchant dans ta famille. Elle a qui va te tuer. Et qui viendra encore à la cérémonie d'enterrement coulant les larmes.
elle est voyée. Parce qu'il est rusé. Et c'est ce que Judas voudrait faire à l'endroit de Jésus. Nous étions dans l'enfance. Il y a certains qui sont morts. Génération. Ils étaient nos égaux, nous étions du même âge. Il y en a qui étaient nos petits frères. Nos petits frères comme nos grandes sœurs. J'ai grandi jusqu'à... Et lorsque j'ai commencé par grandir, ils mourront un à un, ces méchants. Ils mourront un à un. Amen. Réponds Amen. Amen, ça c'est. Réponds fortement Amen. Amen, ça c'est. Réponds plus fort Amen. Elle est miabe doumé. Ces personnes se trouvent dans votre village natal. Elle est miabe comme. Il y en a de ces personnes dans vos quartiers. Maoula Dadji. Dieu est en colère. Maoula Dadji. Ces derniers jours, Dieu est en colère. Ils sont en train de torturer les enfants de Dieu. Te torturer. Le ciel va le martyriser pour toujours. Celui qui voudrait que tu sois oublié, la personne elle-même sera oubliée. Ceux qui ne souhaitent pas la prospérité de tes enfants, l'Éternel les écrasera. Et cette nuit, Dieu est en colère. L'Éternel combattra. Alléluia. Amen. Jabraya. Katala baba shatabaya. Et je le disais, quand nous étions encore enfants, il y a eu certaines personnes du même âge que nous qui sont décédées de façon prématurée. Et lorsque j'ai commencé par grandir, quand j'ai commencé par maîtriser la prière, c'est là que j'ai pu distinguer certaines personnes dans notre village. Et des personnes qui étaient des sorcières, dotées en matière de sorcellerie, qui étaient prêtes à tuer les gens dans le village. C'est quand j'ai commencé par grandir que je les ai découverts. Et ces personnes-là, lorsque nous étions encore enfants, lorsqu'il y a un décès quelque part, ce sont ces gens-là qui sont appelés, c'est eux qui viennent laver la dépouille mortelle avant que le corps ne soit mis dans le cercueil. Et quand ils viennent, ils se plaignent, ils se lamentent, ils coulent encore des larmes de crocodile. Et lorsque j'ai grandi, je les ai découverts, je me suis dit, oh, ces personnes-là étaient des personnes méchantes sans que nous ne sachions. Écoute, il y a de telles personnes également dans ta famille. Et ces personnes-là ont tenté d'en vouloir, ont tenté de te tuer. Mais c'est la main de Dieu qui a combattu pour toi et tu es encore vivant jusqu'aujourd'hui. Mais sache que lorsque tu es ici dans ce camp aujourd'hui, plus jamais ils ne pourront te tuer. Quand tu tombes malade et tu es au lit, c'est eux qui te rendent encore visite, c'est eux qui viennent te demander comment tu vas aujourd'hui. Parce qu'il est venu juste pour voir si tu es décédé. Il est juste venu pour voir si la situation se complique. Ils ont introduit certaines maladies dans ton corps avant que tu ne viennes dans ce corps. Eux-mêmes seront en train de te demander encore comment tu vas aujourd'hui. Au nom de Jésus, tu seras guéri. Tu ne mourras pas de cette maladie. Jésus va te guérir de ce mal. Jésus va te guérir de ce mal. Alléluia. Amen. Amen. Judas savait très bien que c'était lui. Mais il demandait encore à Jésus. Est-ce moi? Est-ce moi? Et Jésus, lui n'est pas hypocrite. Il est direct. Lui, il est toujours direct et franc. Les gens ont cherché à savoir si c'était eux. Lorsque son tour est arrivé, Jésus lui a répondu, c'est toi-même qui le dis.
Nous sommes là au kata au chaka. Et tous les disciples étaient bouleversés. Ils ont commencé par s'entre regarder. Et là, ben. Parce que cela les a étonnés, parce que ce que le maître était en train de dire était donc vérifié. Bien-aimé, je continue par dire que Dieu n'est pas un tueur d'hommes. Mais écoutez ce que Jésus a dit derrière lui. Il dit malheur à celui qui me livrera. Mieux vaudrait pour cette personne s'il n'était pas né. Parce que la mort dont cette personne sera victime, s'il n'était pas né, ce serait mieux pour lui. Je dis, est-ce un malheur de joie que Jésus avait prononcé? Est-ce un malheur de joie que Jésus avait prononcé? Cette mort-là lui a fait mal. Au moment où il allait être livré, cela l'a fait mal. Et il a dit malheur à cette personne. Parce que ce qui l'arrivera, que personne ne vous trompe. Tu ne peux pas être plus exercer de la miséricorde plus que Jésus. Exercer la bonté plus que Jésus, jamais tu ne peux le faire. Tu ne peux jamais le faire. Pourquoi est-ce que tu es maître? Alors si Jésus allait exercer la bonté, il allait dire celui qui va me livrer que la personne vive et qu'un jour qu'on puisse se revoir au ciel. Un jour nous allons nous revoir au ciel. Ce n'est pas moi qui vais juger, mais c'est Dieu qui jugera. Mais Jésus a dit, cette personne-là, si elle n'était pas née, ce serait mieux pour lui. Je voudrais te dire, il y a quelqu'un qui te persécute et la personne est déterminée à te détruire. Dieu s'est levé dans sa colère. À cause de toi, cette personne disparaîtra du milieu des vivants. On ne la verra plus. Amen. Réponds amen. Seigneur, écoutez bien. Jésus le Seigneur, Judas l'a effectivement livré. Il a pris de l'argent. Mais il n'a pas pu utiliser cet argent. Il a bien sûr livré Jésus. Il l'a vendu. Ils étaient à table. Ils mangeaient. Et ceux à qui il a livré Jésus, il leur a dit que dès qu'ils seront là, celui à qui il fera des baisers, qu'ils arrêtent cette personne-là. Et nous savons tous que les baisers ne sont que des signes d'amour. Si il y a longtemps tu n'as plus vu quelqu'un, ou bien tu témoignes ta joie envers quelqu'un, et cela prouve en réalité l'amour. Mais regardez, Judas, il a amené ces personnes-là auprès de Jésus. Il n'a pas fait de baisers aux apôtres. Mais celui à qui il a fait des baisers, c'était Jésus. Jésus lui a dit, oh Judas, n'est-ce pas des baisers que tu me livreras? Est-ce par des baisers que tu me livreras? Parfois, même ton mari, ta femme avec qui tu partages le même lit, il serait à l'origine de tes difficultés, de ce que tu traverses. Parce que la personne se trouve sous la domination d'une puissance ténébreuse. Et il voudrait t'offrir un sacrifice. Mais ces personnes elles-mêmes seront cherchées et jamais on ne la verra. Et toi, tu vivras. Tu auras la longévité. Réponds amen partout où tu es. Et quelque chose a lieu. Judas s'est dépêché, il a jeté l'argent dans le temple. L'argent a été pris et on est allé acheter un cimetière pour les étrangers.
aboma amedipe male Jerusalem oyone bena vubo signe amedibona amejro le duame. Et c'est un cimetière carrément taillé pour les étrangers du milieu. Voyez en toi. Mais lui-même, lorsqu'il est allé jeter cet argent, il est allé se pendre. Il s'est éclaté en l'air. Il s'est éclaté. De même, tes ennemis vont s'éclater. L'ennemi de Jésus, il s'est éclaté. Que personne ne te trompe. Les méchants de tous gens qui sont contre toi, Dieu écrasera la personne. Alléluia. Amen. On les touche aux maisons. Ils sont pleins dans nos églises. J'ai rendu ministère dans une ville du Togo. J'étais en train de rendre ministère. Lorsque j'ai commencé par faire cette prière, et immédiatement, le pasteur qui m'a invité lorsque j'ai commencé par faire cette prière contre les serpents à domicile, il a demandé au service d'accueil et aux agents de sécurité de fermer rapidement les portes du temple. Parce que vu l'intensité de la prière, certaines personnes étaient tentées de sortir du temple. Oh, alléluia. Amen. Nous avions allumé le feu. La prière était intense. Alléluia. Amen. Et après notre départ, trois diacres, trois anciens qui étaient à la plateforme à l'hôtel avec le pasteur, à chaque fois que l'un d'entre eux voudrait mourir, il déclare tout ce qu'il a fait de mal. Il confesse tout. Oh, les dégâts qu'ils ont causés dans l'église. Oh, alléluia. Amen. Et les trois anciens sont tous décédés. La prière était tellement intense. C'est deux réalités qui s'imposent. S'il y a le serpent dans une forêt, dans une brousse, on allume cette brousse. Si le serpent ne veut pas fuir, il sera calciné. Alors dans votre service, dans votre quartier, à cause de toi, certaines personnes vont fuir. Dans votre église, certaines personnes vont fuir à cause de toi. Amen. Dites amen. Oh, amen. Répondez amen. J'ai rendu ministère dans un village appelé Laokope. J'étais en train de travailler. Et l'Esprit de Dieu me disait, il y a une femme qui est sortie cette nuit, elle est allée dans la réunion des sorciers, elle a consommé la viande, la chair humaine avant de revenir encore. Mais Dieu ne m'a pas révélé cette dernière. J'étais en train de marcher. Et je disais donc lors du réveil que ça me fait mal parce que malgré ce réveil spirituel qui est en cours, quelqu'un a encore eu le courage de sortir, d'aller dans la réunion des sorciers, de manger la chair, la viande humaine avant de revenir encore dans le réveil. Alléluia. Amen. Je marchais lorsque l'esprit m'a orienté vers une femme. J'ai demandé à la dame de se lever. Et l'Éternel me dit que c'est toi, madame. Et elle dit oui. Que elle possède l'esprit de crocodile. Et elle dit qu'elle est possédée par l'esprit de crocodile. Et quand elle vient à l'église, elle ouvre simplement sa gueule. Et toutes les prières qui ont lieu dans l'église,
elle est là pour engloutir, avaler ses prières. Et c'était l'ancien Agboibo. Actuellement, il est à Ngochin. C'est lui qui dirigeait la paroisse à l'époque et c'est lui qui m'avait invité. Si quelqu'un voudrait mieux comprendre, il peut l'approcher. Et la prière a commencé. Jusqu'à ce qu'elle ne parle, les gens ont commencé par dire le feu, et je leur ai posé la question, est-ce que vous autres vous le saviez? Patientez-vous. Ils sont pleins dans nos églises. Et si vous voyez un peu ce qui a lieu ce jour, après le programme, le réveil spirituel, papa ya be po gawu to so gawu to yo gawu be play le du pa e va bude do kin gbanya le ke bele o kaka konji be be fodo o do ame la zeme kaka be never gbele e gome ni be na e ye pe mba ye mba gbele nu le du ame. Et après ce réveil spirituel, les sorciers, sachant très bien que le réveil spirituel a lieu à travers cet ancien, un jour l'ancien était à la maison, ces sorciers-là spirituellement ont envoyé physiquement une jeune fille qui était en train de vendre les beignets fabriqués par du haricot que nous appelons gaou. Et l'ancien, lui, ne savait pas que c'était un beignet spirituellement empoisonné. Il l'a acheté et lorsqu'il a commencé par manger ce beignet-là, brusquement, il a fait une crise et il est rentré dans le coma. Alors lorsque nous vous interdisons de sortir, c'est parce que peut-être ou parfois ces personnes-là, ces méchants-là peuvent envoyer des agents qui vont porter chair et venir. Et ce qui t'intéresse, l'aliment que tu aimes le plus, c'est cet aliment-là qu'ils vont te présenter. Alors sois éveillé. La personne, elle est bien sûr dans l'église. Il y en a qui sont morts dans l'église et elles déclarent que c'était elles qui étaient à l'origine de leur mort. D'autres ont connu des fausses couches dans l'église et elle a confessé que c'était elles qui étaient à la source. Et lorsqu'on prie, la prière devient intense dans l'église. Elle est là, elle ouvre simplement sa gueule pour avaler, engloutir les prières. Alors, et si ce n'était pas cette prière de combat, cette prière de bataille qui a lieu ce jour, nous serions toujours dans les ténèbres. Dites-nous, dites-nous de prier pour le bien-être de ces personnes, que ces personnes-là soient en bonne santé et qu'au dernier jour, que Jésus les fasse grâce. S'il y en a de ces méchants dans ton église qui te torturent sans que tu ne saches, que Dieu les affronte. Amen. Tu es un simple fidèle, tu es pasteur, tu es épouse du pasteur, tu es diacre, diaconèse, tu es enfant du pasteur. Et ces sorciers, ces méchants-là sont en train de te torturer il y a longtemps. Cette nuit, Dieu combattra pour toi. Lève-toi et déclare, Seigneur Jésus, c'est toi-même qui as dit à tes ennemis, Baba, malheur. Non, mais radio, hein? S'il n'était pas né, ce serait mieux pour eux. Aujourd'hui, ce n'est plus toi, Seigneur. Mais c'est moi, l'oignon Sandy. Les méchants de tout genre qui souhaitent ma mort, qui souhaitent ma chute, ma rue, qui souhaitent mon humiliation. La façon dont tu as accordé la victoire à l'époque, combat de même pour moi cette nuit. La façon dont Dieu a écrasé Judas.
Judas s'est éclaté en l'air après tout le temps. Maintenant même, que Dieu combatte aussi pour toi. La bataille s'enclenche. Ils sont dans ta maison. Il y a les enfants de ta mère qui font partie d'eux. Il y a les enfants de ton père qui font partie d'eux. Ta famille fait partie d'eux. La bataille s'enclenche. Ils ne veulent pas que tu jouisses de ta vie. Bataille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous me faites vraiment plaisir. Et je sais également que Dieu aussi en prend plaisir. Parce que vous priez avec autorité et sans réserve. L'Éternel vous accordera victoire. Alors répète avec moi, Éternel. Dans ma famille paternelle. Dans ma famille maternelle. Dans ma belle famille. Parmi mes camarades. Dans notre église. Les méchants de tout genre. Que je ne connais pas. Mais qui se lève contre ma vie, contre mon épouse et mes enfants, contre mon travail. Éternel combat. Éternel. Nous avons prié au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Navala, c'est Navala, c'est même si la bataille devient dure et compliquée, seul Jésus vaincra pour nous. Navala, c'est Navala, c'est Yes, sir.
seront en train de compatir avec toi dans leur hypocrisie en disant pourquoi est-ce que les choses ont chuté de cette manière. Que Dieu te relève. Alors répète avec moi, Éternel, les bonnes choses que tu as ajoutées à ma vie avant même que je naisse sur terre. Et les méchants les ont détruits. Combat et restituez-moi. Combat. Okoto, Bakarabaya, Éternel. Nous nous réunions et nous irons. Les bonnes choses avec lesquelles tu m'as béni. Mais les méchants ne veulent pas voir ni entendre. Combat et restituez-moi. Toutes les promesses que tu m'as faites. Ils ne veulent pas que cela porte échec. Combat et restituez-moi. Oh Jésus. Amen. Disons fortement Amen. Écoutez-moi. Parfois, il sème des querelles entre ton mari, entre ta femme et toi.
Il y en a même, ils ne veulent pas qu'ils se marient. Nous allons diminuer les deux requêtes et dire au Seigneur. Seigneur, les foyers conjugaux dans lesquels il y a des troubles. Et que ce sont les démons qui sont à l'origine de cela. Ce sont les méchants qui en sont l'origine. Celles ou ceux qui ont l'âge du mariage et devraient être dans leur foyer conjugal. Un homme âgé de 50 ans dit qu'il n'a pas encore trouvé son partenaire de vie. Mais il y a plein de femmes à côté parce qu'il y a un esprit qui dit qu'il ne va jamais se marier. Alors toi et moi, nous allons dire Éternel. Les esprits de tout genre qui veulent semer des troubles, de la division dans les foyers conjugaux. Comme quoi certaines personnes ne vont jamais se marier. Combat pour ces personnes. Éternel, combat pour eux. Éternel, toutes ces personnes dont l'ennemi ne voudrait pas qu'elles se marient. C'est dont l'ennemi ne voudrait pas qu'ils jouissent de leur vie conjugale. Que la paix aille dans ses foyers. Que la joie aille dans ses foyers. Que l'amour aille dans ses foyers. Que la douceur, l'allégresse aille dans ses foyers. Que la réjouissance aille dans ses foyers. Il y en a qui depuis très longtemps devraient avoir d'enfants. Mais il y a certains démons qui ne veulent pas qu'ils enfantent. Quand ils vont à l'hôpital, rien n'est révélé après les diagnostics, après les analyses. Mais toujours, elle ne tombe pas enceinte. Répète avec moi, Éternel. Tu es le Dieu des âges. Tu as dit aux enfants d'Israël, point de fausse couche parmi les enfants ou les femmes israélites. Et point de stérile parmi elles. Elles ne feront pas également des mort-nés. Pour cela, en ton nom, ô Jésus, parmi nous ici, que l'esprit d'infécondité plie bagage. Que les morts-nés plient bagage. Que l'esprit de fausse couche plie bagage. Éternel, accorde la victoire à tes enfants. Et que ta jalousie le fasse. Que ta jalousie le fasse. Marabayanda. Rokotoroboya. 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 Amen. Disons fortement Amen. Amen. S'ils te cherchent en vain et cherchent ta femme ou ton mari en vain, ils affrontent tes enfants. Alors plonge tes enfants dans le sang de Jésus. Prie pour tes enfants et dis à Dieu que la crainte de Dieu, l'esprit de vérité les anime. Que l'Éternel veille sur tes enfants. Que tout le monde prie maintenant pour son enfant. Prie pour tes enfants. Éternel Dieu, les enfants que tu nous as donnés pour bénédiction, veille sur eux. Nous les plongeons dans ton sang. Nous les plongeons dans ton sang. Et nous demandons à ce que ton esprit de vérité règne dans la vie de nos enfants. Priez maintenant pour les enfants. Priez maintenant pour vos enfants. Ah.
Le Jésus Christ open coming. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Oh, mais de coucou, amen. Amen. Une prière intense que nous allons encore faire, la voici. Plusieurs âmes se trouvent actuellement dans la réunion des sorciers. Ils ont transformé certaines de ces âmes en chiens, en animaux, en différentes catégories d'animaux. Et ils les ont encordés dans la réunion des sorciers. Leur projet, c'est de te tuer afin de consommer ta chair, ta viande. Mais le livre d'Ésaïe nous dit, ils mangeront leur propre chair et ils boiront leur propre sang. Alors répète avec moi, Éternel, partout où ils appellent mon nom, à travers le monde entier, toutes les âmes qui sont dans la réunion des sorciers, les Toji, sur les montagnes, à Véome, dans les forêts, les tossiciome, dans les rivières et fleuves, Anigma Gome, sous la terre, à Chahome, dans la mer, à Vajolevima, la bataille s'enclenche en ces lieux, Louvaonekba, et que ces âmes reviennent, à Vajo, la bataille s'enclenche. Louvaonekba, toute âme confondue, et Yole, saisie, Louvaonekba, Sokoto Yaka. Elles veulent se servir de Jesus. Moi. Avatcho. La bataille s'enclenche. Avatcho. La bataille s'enclenche. Avatcho. La bataille s'enclenche. Avatcho. Horobo Sokoto. Horobo Sokoto. Horobo Sokoto. Horobo Sokoto. Louvama on est bon. Que ces âmes reviennent. On est bon. Qu'elles reviennent. Les commandes de Fiyadou Pemé. De la réunion des peuples se fait. Le Yesu Ben Komi. Au nom de Jésus. Tu es Dieu. Combat. Combat. Le Yesu Ben Komi. Au nom de Jésus. Alléluia. Suis ma. Alléluia. Amen. Esaïa. Cette nuit. Au nom de Jésus, la victoire entre dans ta vie. Ils ont introduit certaines maladies dans vos corps. Les démons sont de nos jours capables d'introduire toute catégorie de maladies qui existent de nos jours dans le corps des gens. À chaque fois qu'une maladie apparaît dans ce monde, les démons aussi l'utilisent pour l'introduire dans le corps des gens. C'est pourquoi lorsque les gens prennent des médicaments, ils sont guéris ou le mal se calme. Mais lorsque toi tu prends les mêmes médicaments, c'est là que tu amplifies ton mal. Si tu prends les médicaments pour calmer les céphalées ou les maux de tête et que toujours il n'y a pas de soulagement, sache que ces céphalées-là sont spirituelles. Toi et moi, nous allons dire, Seigneur Jésus, dans mon corps maintenant même, dans le corps de mon épouse et de mes enfants, toute catégorie de maladies, que les maladies obéissent à Jésus et qu'elles prient bagage maintenant. Les maladies qui sont dans ton sang, Jésus. Les maladies qui sont dans tes nerfs éveillent. Shabraya Karabayanda Otomaya Rokotombayande
Masobrayanda. Arande kabarabaya. Lokotorobo. Rokotombayande. Lebazarababa. S'il vous plaît. Que tous ceux qui sont malades placent les mains sur leur maladie. Au nom de Jésus-Christ. Toute maladie confondue. Que les maladies plient bagage. Sida. Le VIH sida. Jésus te guérit de cette maladie. Cancer. Le cancer. Jésus te guérit de cette maladie. Hépatite. Les hépatites. Jésus te guérit de cette maladie. Diabète. Le diabète. Reçois ta guérison. Fibrome. Le fibrome. Jésus te guérit de cette maladie. Une tumeur, une boule dans ton sein. Jésus te guérit de cette maladie. La colonne vertébrale. Jésus te guérit de cette maladie. L'hémiplégie. Jésus te guérit de cette maladie. La mer Hojo. Bouffée de chaleur. Jésus te guérit de ce mal. Gros cœur. Jésus te guérit de cette maladie. Le vigidome. Dans ton utérus. Jésus te guérit. Angome. Ton bas-ventre. Jésus te guérit de ce mal. Jésus te guérit. La paralysie, la paraplégie. Lève-toi et marche. L'hémiplégie. Les maladies dans tes nerfs et les maladies dans tes os. Sida. Le VIH sida. Diabète. Le diabète. Jésus te guérit de cette maladie. Jésus te guérit de cette maladie. Jésus te guérit de cette maladie. L'impuissance masculine. Jésus vous guérit aujourd'hui. Le gros cœur. Hépatite. Les hépatites. Diabète. Le diabète. Sida. Le VIH sida. Jésus te guérit de ces maladies. Ulcère. Les ulcères. Jésus vous guérit. Angome. Ton bas ventre. Jésus te guérit de ce mal. L'impuissance masculine. Jésus te guérit de cette maladie. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Les yeux qui ont perdu la vue. Jésus guérit vos yeux. La surdité. Jésus te guérit de ce mal. Le mutisme. L'épilepsie. Jésus vous guérit. L'hémiplégie. Jésus vous guérit. Partout où tu es. Tu traites les maux de hanche. Jésus te guérit de ce mal. Terrain. Jésus te guérit de l'insuffisance rénale. Partout où un malade se trouve. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Je prie maintenant. Partout où se trouve quelqu'un, Jésus-Christ, jusqu'au malade mental, Jésus vous guérit. Jésus vous guérit. Jésus vous guérit. Amen. Amen. Et veuillons nous asseoir. Alléluia. Amen. Medekoko, alléluia. Amen. Oh, tu dois regarde la victoire. Hey, yes, ouais, da, c'est Jésus qui l'a signé. Mia, duji, don, don. Nous vaincrons certainement. Alléluia. Oh, tu dois Tu dois
Ce jour est le jour que Dieu a établi pour t'accorder la victoire. Amare odungbene bewade. Quelqu'un est fiancé. Ayobe wo premier pas. Le premier pas a été fait. Yeko yebe fumeto nsin o wababe. Oneva wo dota ne wade wo akpo. Après le premier pas, les démons, les esprits de sa famille se sont levés comme quoi qu'elle célèbre le mariage, ils vont voir. Et jusqu'à présent, elle connaît tellement de mésententes avec son fiancé. Elle est tellement remplie de douleur en cette affaire. L'Éternel combat pour cette personne. Que le Saint-Esprit te cherche. Ils ne veulent pas voir ta dot être payée. Ils ne veulent pas te voir célébrer le mariage. Mais rassure-toi que tu célébreras ton mariage. Yes, faites un effort. Amen. Amen. Partout où tu es, tu me vois, tu m'écoutes. Aujourd'hui, le ciel t'accorde la victoire. Oh, alléluia. Amen. Oh, mais de coucou, alléluia. Amen. Il y a quelqu'un ici. Dieu l'a puissamment oint. Et Dieu a prévu également l'utiliser. Et lorsque Dieu a commencé par l'utiliser dans leur église, yes. C'est là les sorciers de l'église ont rapidement convoqué une réunion. Ils ont oppressé ton don. Il y a plusieurs temps, un grand temps, un grand moment, tu as perdu tes dons de révélation. Maintenant même, l'Éternel combat pour toi. Le Saint-Esprit te localise. Maintenant même, le Saint-Esprit te cherche. Ils veulent oppresser ton don, ton onction. Ils ont menti. L'Éternel active ton onction. Maintenant même, reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Kababa Shatarabaya. Fifila. Maintenant même. Amede. Il y a quelqu'un ici. Maudong bébé yaire. Dieu a promis le bénir. N'en connaît pas de fiawa. À chaque fois qu'il voit les révélations. Et blonena me nyanyane. Il le partage avec un proche. Et c'est là ils intervertissent encore les choses. Toi, tu ne le sais pas. Mais l'Éternel s'est levé. Et le jour de ta bénédiction s'est levé. Qu'il le veuille ou pas, le Saint-Esprit te cherche. Reçois ta bénédiction maintenant. Reçois-la. Ma chataya. Ma kobarabaya. Ma sobrakata. Robakatalabaya. Fifilai. Ma kabo. Maintenant même au Saint-Esprit. Fifilai. Maintenant même. Bokbokokwe. Saint-Esprit. Za. Agis. Za. Agis. Midotom. Écoutez-moi s'il vous plaît. Amadek bramade la nyigbanyawom. Quelqu'un a un problème de terrain avec un autre. Et depuis ce temps-là, ils se sont levés, ils veulent te tuer. Ils t'ont amené vers les féticheurs, vers les charlatans. Pourquoi ils doivent te tuer en cette affaire, en ce problème de terrain? Ils ont menti. Les ayamés. Cette nuit. Ameyo Tchaoï.
Ceux qui t'ont amené vers les féticheurs. Le féticheur, le charlatan chez qui ils t'ont amené. Dieu combat pour toi. Dieu combat pour toi. Dieu combat pour toi. Ne Dieu a mes manames. Qu'il te cherche, toi, cette personne. Ne Dieu a mes manames. Qu'il te cherche, toi, cette personne. Makoto Mayande. Je te vois, toi. Gamesu. L'heure a sonné. Imoji. Tu dois voyager. Je te vois, tu entres dans l'avion. Je te vois, tu entres dans l'avion. Que tu le veuilles ou pas. Tes pièces seront un jour. Tes pièces seront un jour. Tes pièces seront un jour. Maintenant même. Saint-Esprit. Cherche-moi ces personnes. Toi aussi tu en fais partie. Partout où vous êtes. Tu vas étudier à l'étranger. Tu seras une personne célèbre dans ce pays. Qu'un sorcier le veuille. Ou pas. La prophétie s'accomplira. La prophétie s'accomplira. La prophétie s'accomplira. Amen. Répondez amen. Shabaya. Karababo shatabarabaya. Kaka mami obe takpekpe me. Dans la réunion des sirènes. Ye avasese de le jole. Y a une bataille qui est en cours. Amado be lu vole fou pele fima. L'âme de certaines personnes souffre dans ces réunions il y a longtemps. Ole o dade fima jiji. Ils t'ont saisi et t'ont placé dans la mer il y a longtemps. Bon ma descend. Ils t'empêchent de te marier. O konfoye la sio. Ils ont arraché ton foyer conjugal. Ils t'ont placé là. T'empêchant d'enfanter. Il y a longtemps déjà. La bataille s'enclenche dans la mer. Le Saint-Esprit vous ramène. Maintenant même. La bataille s'enclenche. Bataille en cours. Sors de la réunion des sirènes. Les démons de serpents. La bataille s'enclenche contre ses esprits. Maintenant même. Jabraya. Sobra Kataya. Boka Baranda. Masuke. Zoriandeka. Masobra Karoka Bayandeka. Zonda Barabasheta Baya. Maintenant même. La victoire appartient à quelqu'un. Que quelqu'un reçoive sa victoire. Que quelqu'un reçoive la victoire. Toute personne qui m'écoute à travers le monde entier. On t'a placé une bague d'alliance spirituellement. Aujourd'hui, Jésus brise cette bague d'alliance. Cette alliance qui a lieu dans la mer, Jésus brise cette alliance. Le Saint-Esprit te ramène. Jésus te ramène. Jésus te ramène. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il y a un serpent qui est en colère. Dans les airs. Pendant que je suis en train de voir ce serpent furieux en l'air, cette femme-là qui a le serpent dans sa famille, elle est en train de voir également le même serpent en fureur en l'air. Le serpent a ramassé les billets d'argent. Et il y a des billets d'argent dans sa gueule. Il a ramassé ta bénédiction. Qu'il les vomisse maintenant. Qu'il les vomisse maintenant. Qu'il les vomisse maintenant. Baronda Baikata. Bokoto Braya. Bokoto Mbayande. Masoro Bobobo. Rabayandoka. Bashata. Bokoto Robo Shendaya. Écoutez-moi s'il vous plaît. La fille a mis là. En ce lieu où nous sommes, Maou la va omna mede la femme. Dieu est en train de combattre pour quelqu'un depuis sa maison. Maou la va omna mede la femme. Dieu est en train de combattre dans la maison de quelqu'un. Et jusqu'à la fin du programme cette nuit, et le gars appelle de. Tu recevras un appel téléphonique.
attaque. Comme quoi il y a eu des cris dans ta maison. Avajo. La bataille s'enclenche. Avajo. La bataille s'enclenche. Avajo. La bataille s'enclenche. Masharabaya. Marco Bayande. Avajo. La bataille s'enclenche. Avasi et tout play matewa. La bataille qui n'est pas une bataille d'épée ni de fusil. Au nom de Jésus. Attaque pas mes vivilai. Attaque pas mes maintenant même. Un mystère s'accomplit chez vous. Le Togo Bekonaneome. Dans les quatre coins, sur les quatre coins du Togo. Un mystère s'accomplit chez vous. L'attaque pas mes Togo. Attaque pas mes. Hein? Recevez la guérison. Recevez la délivrance là. Recevez la bénédiction là. Recevez la victoire là. Dans le nom de Jésus. Barabashenda. Le kaka normeda. Dans le nord du Togo. Ya Yesuna wa le fima. Que Jésus combatte là. Que la puissance de Dieu aille à Kara. Que la puissance de Dieu aille à Kara. Que la puissance de Dieu aille à Sokodé. Que la puissance de Dieu aille à Tchévier. Région de Siade. Dans toutes les régions. Yohanawava. Que l'Éternel combatte. Yosunawava. Que Jésus combatte. Shabraya. Rokotombayande. Andebro. Robazeriandabaika. Yo vo debe dui menele. Le pays occidental dans lequel tu es. Et tu me suis en ce moment. Tu écoutes ma voix. Le fils Yafinele. Partout où tu es. Jimnele. Ce que tu cherches. Yenele. Et tu observes le jeûne et prière. Yes avec nous. Que Jésus te l'accomplisse. Yes que Jésus te l'accomplisse. Yes que Jésus te l'accomplisse. Ah, amede me kobe agbode vune. Je vois une porte s'ouvrir dans la vie de quelqu'un. Jusqu'au mois prochain, la personne viendra ici avec la clé de son véhicule. Mais la personne elle-même n'a jamais fait ce rêve. Elle n'a jamais imaginé que Dieu pourrait accomplir un tel mystère dans sa vie. Et c'est ce que nous appelons miracle. Que ce miracle s'accomplisse dans ta vie. Ce miracle s'accomplit dans ta vie. Ce miracle s'accomplit dans ta vie. Les titre foncier que l'Éternel te les donne au nom de Jésus-Christ. Toute personne présente ici, tu vis tellement de persécutions et ses ennemis t'empêchent de jouir de ta vie. Jésus t'accorde la victoire. Levez-vous et dites Éternel, nous te confions nos enfants du primaire jusqu'à l'université. Nous te les confions. Tous les examens qu'ils auront à composer. Surtout ceux qui sont en classe d'examen. Que l'année leur soit couronnée de réussite. Surtout pour nos enfants. Prie maintenant. Prie pour tes Shabraya, enfants. Shabraya. Marabayande. Omayande. Mokotorobo Shenda. Mazuke. Barande Kabaya. Mokotorobo Senda Baya. Yehova Metokbeda. Éternel, je prie. Fifilai. Maintenant même. Metchomiavio Chogome Yesukudo Université. Je te confie nos enfants du primaire jusqu'à l'université. Naonounia. Donne-les de l'intelligence. Nao Jidudu. Donne-les de la réussite. Miavio le gars CP2. Les enfants, nos futurs candidats à l'examen du CEPD, BPC, à l'examen du BEPC, avant. Ceux qui ont déjà passé l'examen du proba, bac 2, et ceux qui sont en attente pour l'examen du bac 2, ceux qui ont l'examen de licence à passer cette année, master. Ceux qui vont passer l'examen du master, doctorat. Ceux qui préparent leur doctorat, éternel Dieu, professeur le ceux qui seront nommés professeurs cette année, éternel que ta jalousie leur accorde la réussite. Que ton esprit, nos enfants qui sont à l'étranger, qui comme au pays, accorde la victoire à tout le monde. Amen. Amen.
Mede kuku. S'il vous plaît. Vous allez maintenant prier pour moi. Et vous allez prier également pour les ouvriers. Nous allons prier pour ce camp. Et tous les besoins de ce camp de prière. Humblement dites éternel. Nous te confions ton serviteur, Paul Doji Numovi. Sa femme et ses enfants. Ses ouvriers, leurs épouses et leurs enfants. Les différents comités qui travaillent avec lui, qui l'assistent. Les différents pasteurs qui travaillent avec l'homme de Dieu, leurs épouses et leurs enfants, ceux qui intercèdent en faveur de ce ministère, ceux qui soutiennent avec leurs biens ce ministère, s'ils vont tenir des complots pour déshonorer Dieu, éternel combat pour toutes ces personnes. Combat. Mais tu as gagné et soigné que tu n'y as ma vie, la vie de mon épouse et de mes enfants. Yeah. Oh. Je te les confie, ô Éternel. Shataya. Shabraya. Barabaya. Les ouvriers, leurs épouses et leurs enfants. Les différents comités, leurs épouses et leurs enfants. Les pasteurs, leurs épouses et leurs enfants. Les différents missionnaires qui sont sur le terrain. Au Togo comme au Bénin, leurs épouses et leurs enfants. Éternel Dieu. Ces personnes-là qui nous soutiennent. Dans la prière. À travers le monde entier, ils nous soutiennent dans la prière. Ces personnes-là qui soutiennent ce ministère par leur bien matériel. Qu'ils prospèrent à tous égards. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il nous faut étendre ce camp. Lorsque la pluie a menacé le temps un peu ce soir, ceux qui sont sur la cour, vous pourriez voir un peu la façon dont ils ont souffert. Le terrain des techs qui est juste à côté de nous, c'est le seul terrain libre qui est rapproché du camp. Alors nous allons prier afin que le Seigneur étende ce camp, afin que nous puissions rentrer en possession de ce terrain et bâtir des logements pour que les conditions s'améliorent. Jésus a dit demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Alors toi et moi nous allons dire éternel. Les enfants souffrent dans cette brousse. En matière de logement, les malades souffrent dans cette brousse. Les malades mentaux, il leur faut des logements. Mais le terrain est appartient à toi. Et tes enfants vont-ils encore souffrir de cela? Éternel, interviens dans cette affaire. Interviens dans ce problème. Interviens dans le problème de terrain. Interviens dans ce problème de terrain. Éternel, intervient dans ce problème de terrain. Ta jalousie le fera. Ta jalousie le fera. Ta puissance le fera. Papa, Père, fais-le. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Père, je prie maintenant. Alléluia. Amen. Toute personne qui nous suit depuis l'Occident, qui voudrait bien se marier, qui cherche d'enfants, qui cherche du travail, tout ce que vous cherchez, que Jésus vous l'accomplisse. Tous ceux qui sont connectés à ce ministère à travers le monde entier, que ce soit au Togo, en Afrique ou dans un pays de l'Occident, vous êtes actuellement connectés, vous nous suivez, toutes les prières que vous venez de faire, que le Seigneur vous donne l'accomplissement. De même, je prie.
Je demande ta grâce et ton amour pour le monde entier. Éternel, les troubles, les effusions de sang dans différentes nations. Que la paix aille dans ces nations. Nous te confions tous les chefs d'État. Père, possède tous ces ministres. Tous les ministres à travers le monde entier. Tous les sénateurs. Tous les députés. Préfets, tous les préfets confondus. Les maires. Tous les soldats confondus. Éternel Dieu. Nous prions maintenant. Et nous te confions tous les rois, tous les chefs traditionnels. Nous prions également pour tous les soldats confondus. Ces soldats qui sont en mission à l'extérieur, veillez sur eux afin qu'ils retournent au pays en paix. Nous te confions les hommes de Dieu, ceux qui travaillent pour toi dans la vérité. Tu connais ses cœurs. Papa, Père, veille sur eux. Veille sur eux, leurs épouses et leurs enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous voulez acclamer Jésus, faites-le fortement. Acclamez le Seigneur. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Oh, amen. Amen. Shabraya. Abashatarabaya. Amara la fille no besem, ma un no dom do da du de me beneva y wo dole fima, ave de gbefale fima, vo ekena di esiayi, el abele vo vomna duame. Il y a quelqu'un ici, Dieu lui parle de temps en temps et lui demande d'aller évangéliser, d'aller annoncer la bonne nouvelle dans une localité donnée. Mais la personne, elle est toujours douteuse parce qu'elle a peur de la dite localité. Et la personne dit qu'elle connaît l'endroit, mais elle ne pourrait pas aller là. Mais l'onction nécessaire pour aller dans cette zone, le ciel va la lui donner. Ce n'est pas toi-même qui as décidé d'aller, mais c'est Dieu qui a décidé de t'envoyer là. Alors actuellement tu es ici et tu as peur. J'envoie l'Esprit de Dieu. Tu reçois des révélations de temps en temps. Malgré cela tu as peur. L'onction qu'il te faut pour aller dans ce village-là, pour annoncer la bonne nouvelle dans cette localité, cette onction est descendue. Cette personne dont l'Éternel, dont me parle l'Éternel, que l'Éternel me le cherche. La personne est de ce côté. Que l'Éternel te cherche. Tu as eu ce rêve et tu as eu même à le partager avec quelques personnes. Mais te lever pour aller sur le terrain et exécuter ce que le Seigneur te demande, tu doutes. Que le Saint-Esprit t'amène ici. L'onction qui domine les sorciers. L'onction qui domine les charlatans. L'Éternel la déverse sur toi. Reçois cette onction là où tu es. Reçois cette onction. Tu te demandes, moi je ne peux pas aller là-bas. Mais c'est toi que Dieu a vu. Tu iras là. Et tu les écraseras. Randa bazeka. Au nom de Jésus, tu iras. Tu le feras pour l'Éternel. Et la gloire lui reviendra. Au nom de Jésus. S'il vous plaît, répondez Amen. Vous êtes fâché contre moi? Répondez plus fort, Amen. 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 Hallelujah. Amen. Déclare dans la foi, j'ai vaincu.
Au nom de Jésus, j'ai vaincu. Maintenant même, j'ai vaincu. Amen. Dites plus fort, amen. Écoutez-moi. Ils sont en train de sonner le numéro de quelqu'un, mais ils n'arrivent pas à joindre la personne parce que tu as éteint ton téléphone. C'était pour t'annoncer que Dieu a combattu dans ta maison. Jusqu'à ce que tu n'allumes ton téléphone, tu recevras un appel téléphonique cette nuit. L'Éternel a écrasé les choses dans ta maison. L'Éternel a brisé les choses dans ta maison. L'Éternel a brisé les choses dans ta maison. L'Éternel a brisé les choses dans ta maison. Ce témoignage-là, demain matin, nous allons le recevoir. L'Éternel Dieu a brisé les choses dans ta maison. Maintenant même, il y a du tumulte dans ta maison. L'Éternel a dispersé les choses dans ta maison. L'Éternel a dispersé les choses dans ta maison. Repos, amen. Shabraya. Mokotoro Boyande. À cause du temps, nous allons recevoir rapidement les témoignages. Tu étais malade, tu ne pouvais pas te baisser ni te relever, tu as un mal de bas-ventre, c'est peut-être ton cœur, ta colonne vertébrale, une boule dans ton sein, les fibromes, les kystes. Ces personnes qui ont reçu la délivrance dans cette parole de connaissance, que cela porte cher dans leur vie. Tu savais très bien que tu étais malade avant de venir et tout à l'heure nous avons crié. Si tu as constaté que tu es guéri, nous voulons recevoir ton témoignage. Tout ce qui était malade, tu étais aveugle, tu étais sourd, tu avais mal de bas-ventre. Tu as constaté que Jésus t'a guéri, il n'est pas honte, mais lève ta main, nous allons voir. Ceux qui viennent de recevoir leur guérison, nous les prions de lever la main. Levez correctement la main, s'il vous plaît, vous qui êtes guéri. Toutes ces personnes-là qui viennent de recevoir la guérison, nous les prions de lever leurs mains. Alléluia. Amen. Tu étais malade, nous avons prié. Tu as constaté que tu es guéri de ton mal, n'aie pas honte, mais lève ta main. Alors, si tu sais ou tu as constaté que Dieu t'a guéri, lève-toi et viens devant. Amen. 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 Kemi va nyemle le dor leke gbe mi vo. Wa premier jour quoi et tari ko ton dudu pam 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 pam. Et ta le dum ça serait haut.
Tale dum kwa amekele plomi le gbe dodora me akemi le na roketo kakam le dogbera kwa mba kwa be e afa wa nyim stensi te badi da se sova yo egbe ke on na roket be na le mia be pome o me pome dans le pome gede o me e bloka me ro be sron dede e be bloke a me ro be yahira ko to gbogbo ne ne o le pompo ku nti kwe vo benu a honvinye nu a honvinye nu ko le sibo so lanvi le simi ya 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 yen sa lo video fum le do gbeda le so ka o ka 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 po a mva ko be ke la fanam le fun pa edidi va fie nam le ke pa fie nyele ke a mle yo e yo le pem e le vem cha e le onan sibe nde le fun kwa ne nja zom ja boba o mle onan miedo voke o potole na roketa mi le dogwera mi le dogwera kaka kwa funa cha e fana keke amen donc adoke yesu onam ewa ape na ma ulo ifia de ma bia se be dans le mi abe fami me kemi anto mi subona mi nya e dans les familles me voyem subona voa mi abia ho mi ato subona enye fami abe do me nyinu ehe e to paji no paji ame ko be jura yo we subona ehe o subona va e do na nu pona famia e do na nu pona minto. Ok. Il y a des gens qui sont 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 des gens. Amen. Amen. Alors la maman tient donc à remercier le Seigneur, elle dit, depuis qu'elle est arrivée dans le camp ici, elle a développé des céphalées, des maux de tête incontrôlables. Mais par la prière dirigée par les ouvriers de ce camp, elle a constaté que le Seigneur l'avait complètement guérie de ces céphalées qu'elle a traînées depuis quelques jours. Elle dit, après cela, lorsque nous étions en train de prier, tout de suite l'homme de Dieu priait et disait que des esprits de serpents, dans certaines familles, ont tellement bloqué l'évolution et la bénédiction de certaines personnes que l'Esprit de Dieu les délivre. Elle dit qu'elle a constaté qu'elle a reçu une délivrance parce qu'elle sentait des douleurs au niveau de son nombril. Et elle voyait comme si on était en train de cicatriser l'ombril avec une lame. Elle avait tellement de douleurs et vers la fin de la prière, elle a constaté que les douleurs s'étaient localisées d'un côté de sa hanche. Toujours dans la prière, elle a constaté que les douleurs ont totalement disparu de son ventre, le Seigneur l'a guéri. Et elle confirme que vraiment, sa famille, c'est l'esprit de serpent, que les membres de la famille servent, les membres de la famille adorent l'esprit de serpent. Mais elle particulièrement, elle n'en fait pas partie. Et cet esprit a eu à causer tellement de dégâts dans leur vie. Cet esprit continue toujours par nuire à leur vie. Actuellement, elle a 49 ans, mais jusqu'à présent, elle ne s'est pas encore mariée. Et cela est dû à ces esprits de serpent. Elle avait un seul enfant et l'enfant lorsqu'il avait 12 ans, malheureusement aussi l'enfant est décédé. Et elle dit le serpent venait et l'affrontait face à face, elle combattait face à face le serpent. Il est crotchoté, mais donc Kubei me que meilleur mon femme meilleur va fier, elle n'en doit donc fier mbé, nde wone, que bevadi da se le fier, be ye into edo chochi, voa ne y chochi considère que bebe ya allo tafraché ne, ebe do samedi quoi, gazé emi boya no nye kaka 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 kaka, le matin na kota la gbo monya emi la kole enchi, ne dimanche soir quoi, emi ala so, ebe y samedi. Nene kwa emi lagba to koko kaka kaka ne gba do jiman so emi lagba so kaka ye ngba ba le wo ye ngba ba gbona ma unya ye ngba ba no na taroju ye ba si san we ba wona do e pe ne nenu benu awo e ke ngba yo ba podo le tiamaden le tiamaden be wo enu awo le peke ba ye abele tiamaden ke ngba ye ba se ba se ma u ba me obe yoyo kemi wo le janvier me a e ye me be vale donc kaka be va egba le konji chakaka serom be kaule ntike ngboye ese nwa ebe joy beva otoma oba menu beve mama u yodo ane gbogbokinana be ne gbedo samedi kwa elano nyemi emi lano kole ntikaka ne gbedo adu jiman so apa emi ala note egba samedi a gbogbo wa yesu du eji
Bien-aimé, Jésus a compris des mystères. Les démons pensent être forts, mais Jésus les a vaincus. Alléluia. Amen. Yeah. Praise the Lord. Amen. Evangelist. Praise the Lord. Mama Grace, megalagbeo. Mama Anti Grace, elle n'est plus vivante. Ya, voilà. Mais. J'étais à la maison. Alléluia. Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. Oh, mais coucou, amen. Amen. Ta gai meken tu allez gombe le do 50 ans. Voyez pa nou ya nyon de le mita e gombe ni be. E cha le ji e pe wa to gbe. Praise the Lord. Amen le bia do ki se be de. Alléluia. Amen le bia do ki se be nyao. Amen wa npo de soa. Je rassure que Dieu dispose un homme compatible à ton âge. Certaines personnes, à cause de leurs difficultés, ils ont décidé de ne plus se marier. Ils se disent qu'ils sont devenus la femme de Jésus. Maintenant, écoutez, Jésus ne se marie pas. Mais si tu pries, Jésus te donnera ton partenaire de vie. Acclame très fort Jésus une fois encore. Ok. Amen. Amen. Nemi kwame akwa evo. Demain, nous allons recevoir les autres témoignages. Après celle-ci, nous allons stopper les témoignages. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Sokaka lundi, aye, mle osu soube ma va, séance à me kwa. Lukele wo kengba yo va. Yezele kawa et taton doudou. Sunyi son wa kobe yakbe va kwa eta tom dudu. Eta tom dudu. Kengbo la vava. Kengbo ma vava. Ye so kem le fia. Ne o le pompo le micro dia le gban kaka le do eta pou mena. Ye eta le dum kaka mva mlani e nu ka e gba le dum. Ye fifi ke mi le ni gba be mi adasire do le loja ke m so asiso dare ta jipwa eta mi ngba le dum ko. Eta efa. Efa. Mi o efa e. Amen. Amen. Amen.
La sœur dit, depuis le lundi dernier, elle a traîné les maux de tête. Et lorsqu'elle est venue dans le camp ici, le mal ou la douleur s'amplifiait. Mais par la prière, elle a constaté que le Seigneur l'a guéri. Les maux de tête ont totalement disparu. Et elle ajoute également que depuis 2014, elle a traîné une douleur au niveau de ses mâchoires ou au niveau, de ses mâchoires. Et elle dit que les douleurs étaient tellement intenses, mais toujours par la prière, elle a constaté ce soir que le Seigneur l'a complètement guéri. Et elle tient donc à remercier Dieu. Acclame Jésus pour la vie de la sœur. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh, mais de coucou, alléluia. Peine wade, epe lolofia pe dukua. Yehoa kadu jijina fe docho la nyanye kakala pol dojin movi. Po waden chijidok le dodo da wana de tome si aje gome. Chou blada wle tri serpen keke blafo vo neji. Ide kwasida si nyan keke blafo vo asye ke liaji. Tanya, nyama kuo ke pomano akbe. Eye made yehoa fe towo wo afia. Salomo alfa de ka wienye popo wia Andrea. Afe tola gajirado, pe ya tuka me chou vonde si ademe. Eye wanami jidudu le nchila me ple bakbo me fe afa wawa wome. Mia bia epe ameta kwa de mia fe akbe ple towo du yoji. Ma ufe docho la akplomi len chijidok le dodo. Dodora wona siame chok bedoda fea le dodoa nu alea blada wetro mfafia kle bedododa kuda ye memle da nchichitok kle bedododa songti gaseke into gawie fe le fie gade ide zagaseke kwasi da nzi ganyi ide gawo mfafia kle bedododa eye wetro gaton ide fie gade mfafia kle bedododa le radio jivea nyaten akomi le mia fe Facebook le YouTube ne mianglo evangeliste Paul Dojin Movi novio mi va eye mi majo ale si mi le va o nyaten ayo bedoda fea fe agbale mlofea ne mi hia numa kuku ade le nomba siaoji blaseke blaseke vo aton bla vo ene bla to vo ve allo bla sie que vo andre bla andre vo deke bla vo ne bla vo deke. Une fois encore, l'Éternel met à cœur à son serviteur, évangéliste Paul Dojin Movi, d'organiser un programme de jeûne et prière du mardi 24 au dimanche 29 mai 2022. Thème, psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Le Seigneur s'est encore apprêté pour nous délivrer de tout mal et nous accorder la victoire dans tous nos combats physiques et spirituels. Nous demanderons sa protection sur nos vies et nos activités. Le serviteur de Dieu nous dirigera dans ses séances de jeûne et prière dans le camp selon le programme suivant. Mardi soir, enseignement et prière. Du mercredi au samedi, jeûne et prière de 9h à 12h et de 18h à 21h. Dimanche matin, de 8h à 10h, enseignement et prière. Dimanche soir, de 15h à 18h, enseignement et prière sur la radio JVA. Nous serons en direct sur notre page Facebook et compte YouTube intitulé Évangéliste Paul Dojin Numovi. Venez et vous ne repartirez pas le même. Pour toute information, contactez le secrétariat sur le plus 228 90 95 44 52 ou le 97 71 24 21. Oh,
Jésus.